Bonsoir tout le monde, j'espère que ça fonctionne, j'espère que ça marche, normalement oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous êtes en direct dans Ça coule de source, le nouveau magazine de l'esprit critique sur la tronche en biais, l'épisode 1, le nouveau, le tout nouveau, et je ne suis pas totalement tout seul, regardez bien, si je fais ça, vous voyez Vlad Tapas qui peut vous saluer. Il n'a pas beaucoup de son pour l'instant, essayons, as-tu du son Vlad Tapas? Parle-nous, voir. Je ne crois pas, parce que on n'a pas allumé le truc à côté, donc on va se rappeler. Faut qu'on se rappelle ici, mon cher Vled, je t'appelle. Comme ça, tu pourras nous parler en direct. Oui, alors, on bricole, on bricole. Hein. Ça y est. Voilà, nous sommes avec Vled Tapas. Bien, alors, je vous explique un petit peu le concept de l'émission. C'est un magazine donc en direct, en trois parties. Alors, la thématique, c'est la source, ça coule de source. Donc, la première partie, ça va s'appeler Confluence. On va regarder ensemble, on va passer un petit peu en revue ce qu'il se passe sur le monde sceptique francophone, en ligne essentiellement. Bah, oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du mois écoulé en termes de production, parce que la zététique est riche, la zététique est fabuleuse, elle a beaucoup, beaucoup de contenu. Et donc, on va les partager et regarder un petit peu ce qui s'est passé. La seconde partie sera en direct de la source. Nous recevrons Pascal Wagner-Egger, qui est un chercheur en psychologie, que vous connaissez peut-être déjà. On l'a déjà reçu et on avait parlé de croyances. Et il est l'auteur de ce livre-là, La psychologie des croyances au théorie du complot. On pourra en parler, mais lui va nous parler de ce soir des biais cognitifs. Qu'est-ce qu'en dit de la science? On en est où? Et troisième partie qui va s'appeler Résurgence. On va regarder un petit peu nos pages. Sur les réseaux, qu'est-ce qu'on a partagé, qu'est-ce qu'on a vu, sur quoi on s'est énervé au cours du mois écoulé, qu'est-ce qui s'est passé, et puis il y aura une petite chronique un petit peu rigolote en plein milieu, et puis Vlad pourra faire remonter vos commentaires et vos questions en direct. Voilà, si ça vous va, je propose qu'on démarre tout de suite, et vous allez voir qu'en plus, j'ai un petit jingle. Voilà, c'était le niggle. Maintenant, on passe au mode de qualité. Ouais, mais je règle tout en direct, alors c'est compliqué. Hop, et on rajoute un petit Vled. J'ai des bêtises, c'est pas ça du tout. Hop, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas Vled. J'ai oublié de faire un truc, ce qui fait que là, vous ne voyez pas Vled, mais grâce à mes doigts magiques, je peux rajouter un Vled Tapas qui va apparaître magiquement sur l'image. Il est là. Et je vais le... Parce que là, il est... Hop, et je le colle ici. Il va être très, très bien ici. Et du coup, puisque Vlad est arrivé sur l'image, eh ben, je vais me décaler moi, parce qu'il faut faire de la place pour les gens. Et donc, si je m'en sors, je peux faire ça comme ça. Et tout le monde est très heureux. Et on pourra intervenir tous les uns et les autres. Et donc, je vous propose... qu'est-ce qui s'est passé dans le cours du mois écoulé sur les réseaux sociaux? Eh ben, il y a plusieurs chaînes. Alors, on va d'abord regarder YouTube, hein, parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses qui ressemblent à notre écosystème à nous. Donc, on va aller voir les choses qui nous ressemblent. Et donc, il y a la chaîne Acculte, que je vous conseille. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, ce sera très bien. Ils ont toute une série de vidéos qui s'appelle Les Déviants, où ils font des portraits de gourous, de gens qui sont dans la manipulation mentale de pas mal de gens. Et là, ils ont fait une série de deux vidéos sur l'anthroposophie. Et le pouvoir, et donc ça date du 9 juillet, celle-ci, et la 21 date d'un petit peu après. Je vous le conseille, c'est toujours extrêmement bien fait. En l'occurrence, il parle de l'anthroposophie et de Pierre Rabhi et de son lien avec les puissants. Attends. Beaucoup de personnes se plaignent qu'on ne me voit pas, et je comprends, c'est lamentation. Parce que je n'ai pas appuyé sur transition et maintenant il te voit. Je m'en excuse, pardonnez-moi, je ne maîtrise pas. En fait, le peuple réclame la beauté. Oui, le peuple n'aura que moi, désolé. Donc voilà, pour Acculte, je vous demande de vous abonner. Donc 1700 abonnés, rendez-vous compte, alors qu'ils font un travail depuis pas mal de temps maintenant, très intéressant, de fond, sur les dérives sectaires et les manipulations mentales. Après, il y a le copain Mehdi Moussaïd, de la chaîne Fouloscopie, là vous la connaissez, il a beaucoup d'abonnés, et il a fait une vidéo il y a peu de temps, le 1er juillet, sur les rumeurs, comment les infos circulent, et il a fait une série d'expériences très très amusantes. Dans ses vidéos, il a rassemblé des gens dans un gymnase, une grande salle, et donc voir un peu comment marche ce qu'on appelait autrefois le téléphone arabe, en racontant une histoire, et puis l'histoire est racontée ou mimée, pour voir comment se font les transformations, et il a des graphes
pour voir ça de manière visuelle. Voilà. Il y a des graphes de modification de l'histoire pour voir c'est quoi le phénomène d'évolution d'un récit qui circule dans une foule. Et alors, ça reste superficiel, mais c'est hyper intéressant pour comprendre, pour avoir un aperçu sur comment circulent des rumeurs. Donc, quand on s'intéresse à la pensée critique, les rumeurs, c'était quand même un sujet important. Donc, évidemment, il faut vous abonner à Fouloscopie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une chaîne qui est en train de se développer, avec des vidéos qui ont été tournées toutes. C'était en avril qu'on était à Toulouse, mon cher Vlad, hein, c'est ça, hein, les REC, les rencontres de l'esprit critique de Toulouse. Absolument. Et maintenant, depuis quelques semaines, ils diffusent. Donc la première qui avait été mise en ligne, une fois que tu étais dedans, Vlad, c'était sur le... Oui, c'était celle sur le harcèlement en ligne, ce qui était Tidouane à ce moment-là. Le harcèlement en ligne, quelque chose que nous connaissons. Alors, on n'est pas les plus à plaindre, mais quand même, on a conscience du problème. Et vous avez donc des choses avec Franck Ramuge et Jacques Van Rieler sur la psychanalyse, l'approche bayésienne, Serge-Paul Morel sur l'astrologie, plein de choses. Et donc ça va être nourri encore. Il y a eu beaucoup de choses à Toulouse cette année. Et donc vous avez, si vous avez raté la présence physique sur les lieux, vous pouvez vous rattraper en regardant ces vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est extrêmement riche. Et c'est un événement dont on espère qu'il va se renouveler. Parce qu'il n'est pas parfait, mais c'est pas loin. Ensuite, le copain... C'est une initiative aussi dense que ça. C'est quand même assez vaste. Centré véritablement sur l'esprit critique, c'est pour l'instant assez inédit en France. Ah, inédit, oui, dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs. Et non, c'est du jamais vu. Et Willy a fait un travail de dingue. Alors, il y a une équipe, mais c'est quand même lui qui est au cœur du truc. Et ça mérite... Voilà, vraiment, il n'y a rien eu d'aussi dynamique, à ma connaissance, en France, pour autant que j'en sache, toute époque confondue. Donc voilà, c'est vraiment un élément dont on espère qu'il va se pérenniser et qu'on pourra y retourner. Donc Sam, de Monsieur Sam, a fait une vidéo sur la maison qui saigne, en reprenant son format qui s'appelle « On vérifie ». Et il y a la pub qui pop. On ne va pas regarder la pub ensemble. Format hyper intéressant. Voilà, je vous le conseille. C'est pas très long. Et la maison qui saigne. Pourquoi est-ce qu'on peut douter? Qu'est-ce qui a circulé comme info? Quelles étaient les rumeurs? C'est un dossier qui est vieux, hein, qui était passé à la télé dans Mystère à l'époque. Après, il y a le monsieur qui s'appelle Débunker des étoiles, qui, je crois que c'est tous les mois, fait une conspi actu. C'était le numéro 10 du mois de juillet. Alors, ça dure 2h53. Alors, j'ai pas regardé toutes les vidéos que je vous conseille. Donc, celle-ci, je l'avais, je l'ai pas regardée. Elle est trop longue. Et donc, je ne suis pas à jour de tous les contenus sceptiques dont je ne veux à personne si les gens ne sont pas à jour non plus des nôtres. Hein. Donc, sur tout ce qui est complotisme, Sylvain fait beaucoup de choses. Donc, et puis, il fait une veille des complots qui sont en cours, de ce qui circule, des réseaux. Donc, si votre truc, c'est le complotisme, il faut vraiment aller regarder ce que fait Sylvain de manière régulière, parce qu'il suit l'actualité. Après, j'ai notre ami le chat sceptique qui a fait une vidéo qui date du 15 juillet sur les phénomènes chaotiques, sur comment est-ce qu'on peut prévenir les choses, notamment le climat et ou la météo. C'est vrai que le climat, c'est quand même encore un sujet chaud, hein, entre guillemets, où on a beaucoup de croyances et de déni de la science qui circulent. Donc, comprendre un peu comment on peut faire des modèles pour faire des prédictions sur des phénomènes aussi complexes que l'atmosphère, c'est utile. Pour résister au récit de négationnisme de la science. Monsieur Defecator a fait une vidéo, là, celle-ci est un peu plus date du mois de juin, je ne sais pas s'il en a fait une en juillet, sur le comment les réseaux sociaux nous embrouillent avec des infos pas toujours correctes, des images tronquées, enfin, il est toujours dans cette idée de décrypter les informations telles qu'elles parviennent aux internautes, donc il est extrêmement utile dans le paysage, Monsieur Defecator, on le salue s'il nous regarde. Et donc abonnez-vous, mais c'est déjà fait parce qu'il est plus abonné que nous. Donc vous êtes sûrement abonné chez lui si vous l'êtes chez nous, hein, il y a de fortes chances. On a vu, plus petite chaîne, La Mal Biaisée, qui le 16 juillet s'est intéressée au paradoxe de la parole des concernés. Parce qu'évidemment... Il faut absolument qu'elle grandisse cette chaîne, c'est remarquable. Mais oui, elle a regardé, c'est très très bien. Et c'est un autre point. Donc la parole des concernés, c'est important, c'est-à-dire que les gens qui vivent une situation sont les mieux à même de vous dire ce qu'ils vivent. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont experts de comment ils le perçoivent, de comment ils le vivent, et des ressorts psychologiques, sociaux, anthropologiques, tout ce qui est autour.
Donc la parole inconditionnée, elle a ses limites, mais elle a ses mérites. Et donc pour admettre les mérites et les limites, bah, il faut aller voir ce qu'a fait Pauline, Miss Pauline, sur sa chaîne La Mal Biaisée. Abonnez-vous. Elle n'a que 5000 abonnés, ça n'est pas normal. Monsieur Gémil Graham, alors lui, pareil, il a 61 000, c'est mieux. Mais franchement, parmi les nouveaux venus dans la sphère, c'est un de ceux qui fait un travail les plus léchés en termes de vidéos. Encore que celle-ci, la dernière, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est un entretien avec un ancien voyant par SMS, quelqu'un qui répondait aux gens qui voulaient consommer de la voyance et qui les maintenait un peu au bout du fil, qui les forçait à poster des SMS et donc à payer. Et donc c'est un repenti, et c'est un entretien entre Gémil Graham et ce repenti, c'est assez intéressant. Donc ça me rappelle l'entretien qu'on avait fait avec Jean-Claude Carrière, là, tu étais là, pour le documentaire et les lois de l'attraction mentale, et il nous avait raconté qu'il avait dans sa jeunesse écrit des horoscopes. Il était repenti aussi, il n'y croyait pas, mais il dit bah, il y a des attendus, il y a des tonneurs de phrases, il y a plein d'éléments comme ça, de langage attendu dans un horoscope. Donc, bah, une fois que vous l'appliquez, il y a une recette et c'est bon. Et les gens sont très contents lorsque l'horoscope qu'ils lisent répond aux critères qu'ils attendent à trouver. Voilà, donc ancien voyant par SMS, il témoigne, ça c'est Gémil Graham. Un truc un peu plus maison, c'est la Minute Sapiens sur la chaîne de Monsieur Magic Jack Productions, Maxime Ginolin. Et la Minute Sapiens, c'est un format dont je suis l'auteur. Voilà. Et le dernier épisode qui s'appelle La Sérendipité, petite pastille de 3 minutes 44. Et qu'est-ce que c'est que la sérendipité? Il y a d'autres numéros sur les théories du complot, sur le blasphème, sur la... J'ai oublié les thématiques. Mais c'est, moi, j'aime bien, c'est sympathique et c'est pas beaucoup vu. Vous voyez, la vidéo date du 1er juillet, elle n'a que 5000 vues. Et j'aimerais bien que vous ayez regardé un peu. Et si ça vous plaît pas, vous nous le dites. Mais si ça vous plaît, bah, il faut le dire aussi. Voilà, c'est pareil, c'est assez léché en termes de mise en scène. C'est assez rigolo avec ce personnage un peu bizarre, d'extraterrestre qui regarde les humains un peu en biais pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que les humains, si vous n'êtes pas humain et que vous débarquez sur Terre et que vous regardez les humains, il y a de quoi être étonné, en fait, parce qu'on peut observer. Ensuite, une chaîne que j'ai découverte il y a quelques temps, mais que je n'ai pas regardé assidûment, qui s'appelle Le Muséum des Pourquoi. Je ne connais pas le monsieur qui anime, j'ai pas vu son nom, j'ai pas retenu, pardonnez-moi. Et c'est un épisode qui s'appelle « Pourquoi ont-ils besoin qu'on leur mente ?» revient aussi sur le complotisme et sur pourquoi les récits complotistes marchent autant, qu'est-ce qu'il y a comme critère socio-psychologique dans la population des gens qui consomment et qui partagent les théories du complot. Voilà, c'est une belle entrée sur le sujet. Peut-être que si Pascal Wagner Egger veut nous en parler, s'il a vu cet épisode après, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien, voir si c'est bien ou pas bien. Moi, pour ce que j'ai vu, ça me paraît plutôt très très bien. Donc, pareil, chaîne vraiment toute petite, j'ai pas vu le nombre d'abonnés, mais 22 000 abonnés. Pas si petit que ça, mais voilà, vous pouvez y aller, ça m'a l'air pas mal de tout. Et j'ignore si le reste des contenus est proche des questions zététiques. En tout cas, celle-ci, elle est clairement dans le scope. Hein. Après, j'ai mis de côté Fantine et Hippocrate. Fantine, qui est étudiante, enfin, qui, je ne sais plus en quelle année elle est de son internat de médecine, ou externat, je ne sais pas. En tout cas, elle est étudiante en médecine. Et là, elle a fait une vidéo sur l'homéopathie pendant l'allaitement. Elle parle aussi un peu d'acupuncture et d'ostéopathie. Donc, c'est pratique non vraiment médicale, et qui ont beaucoup de succès autour de la natalité, parce que c'est un moment où on est extrêmement stressé, où il y a des douleurs partout, où on veut des réponses, et où le corps médical, puisqu'il n'a pas de réponse, parfois renvoie vers des trucs qui ne sont pas aussi bien qu'on pourrait. Donc elle traite ça. Donc c'est 8 minutes, c'est assez court. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Fantine, qui était présente au REC et qui était présente à la mise zététique la dernière fois. Il me semble, hein. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Une chaîne que je ne connais pas très bien, et là la vidéo est un peu longue, j'ai pas tout vu, c'est la chaîne de Dr C qui fait des capsules médicales, donc il est médecin, et là il parle de la naturopathie, il en a fait une avant sur l'aromathérapie je crois, ou un truc du genre, et donc je ne peux pas vous assurer que c'est très très bien, mais le mec a l'air de savoir de quoi il parle, donc je vous le conseille, mais en vous disant attention, Ne croyez pas tout d'emblée, je ne valide pas personnellement, c'est pas ma faute si ça va bien, mais il y a des chances que ce soit plutôt intéressant. Chaîne récente, toute petite, hein, il a que 3000 abonnés, il y a des chances que ce soit pas mal du tout, et que vous puissiez apprendre des choses sur cette chaîne-là aussi.
Voilà, la naturopathie étant dans le scope de la zététique, évidemment. Les gens de l'extracteur, un collectif, les gens qui se sont réunis au départ sur le dossier de Thierry Casasnovas, gourou bien connu, dénoncé à la Miviludes, etc., ont fait une vidéo il y a peu de temps parce qu'en fait, il avait fait ses adieux à YouTube, M. Casasnovas, et puis il est revenu, et puis en fait, il est revenu dans un live avec des gens de QAnon, qui est une dérive complotiste récente, moderne, les plus folles, les plus bizarres, les plus étranges, les plus baroques, et en même temps, qui a beaucoup de succès. Quand j'ai vu débarquer le Pizzagate il y a quelques temps, je pensais pas que ça pourrait marcher, ça me paraissait trop débile. Et bien j'ai eu tort, oui, comme quoi on peut se tromper. Hein. Ça continue à marcher. Et je n'ai pas vu ces vidéos, donc je ne sais pas. Mais l'extracteur, en général, ils font vraiment des analyses très bien foutues, donc j'irai la voir bientôt. Mais je n'ai pas encore regardé cette vidéo-là, en l'occurrence. Allez voir l'extracteur. Ensuite, nous avons 12 Parsec, qui a fait une vidéo avec un chercheur du SETI. Donc le SETI, c'est le programme de recherche de vie extraterrestre. Là, j'ai mis en pause sur le signal WOW, qui est un très célèbre, qui est... Voilà, le télescope était pointé dans une direction. Ils ont reçu un signal bizarre qu'ils ont appelé WOW, et en fait, qui n'a pas été renouvelé, et qui n'est sans doute... Enfin, qui n'est pas expliqué, mais il n'y a pas de raison donc qu'il soit extraterrestre. Et donc, la vidéo, je l'ai vue en pointillé, mais je n'ai pas trop regardé. Il y a des chances que ce soit intéressant si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne les extraterrestres, la vie ailleurs que sur Terre, parce que c'est des vraies questions. Et parfois, il y a des réponses de type paranormal qui feraient garder à distance avant de les accepter. Il faut les mettre un peu à l'épreuve. Enfin, tout récemment, il y a eu 4 vidéos sur la chaîne de Penseurs Sauvages. Alors, je ne pense pas que ces vidéos soient parfaites, elles sont pleines de défauts, mais elles sont hyper intéressantes parce qu'elles s'adressent quasiment en temps réel à un problème qu'on a eu depuis les REC, qui est cette ambiance un peu dégueulasse qu'il y a sur Twitter en particulier, d'un groupe de gens qui pensent porter une critique utile à la zététique, et notre point de vue, c'est plutôt des gens qui sont des parasites et des harceleurs. Alors l'un des deux groupes a forcément tort, voire les deux, mais allez voir Penseurs Sauvages qui pose un diagnostic là-dessus. Donc il y a 4 parties, 4 longues vidéos de 40 et quelques minutes, avec parfois quelques procès d'intention, mais il fait une analyse, il propose une grille d'analyse sur le phénomène. Il peut avoir tort, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a raison. Ça, c'était sur YouTube. Vlad, est-ce que je dis des bêtises? Est-ce qu'il y a des commentaires déjà sur ce qui se passe? Il y a des personnes qui donnent d'autres références très intéressantes. Il y a quelqu'un qui vient de citer Syllabus, qui est très très bien. J'adore Syllabus, et j'ai pas pensé à le mettre dans la chronique, c'est vrai. Parce que Syllabus est formidable, moi j'adore ce qu'elle sait, je le répète tout le temps. Oui. Après, n'hésitez pas à donner des références, mais là on a le but de ce format, c'est vraiment parler de l'actualité. Donc déjà il faut l'actualité qu'on a vue, on n'a pas le temps de tout regarder malheureusement, et puis aussi, pour que ce soit en rapport avec le scepticisme, s'il n'y a aucun problème, et puis il faut que ce soit des choses récentes. Aussi. C'est ça. J'ai remonté juillet, un petit peu juin, mais je ne suis pas monté plus haut, mais... Comme l'idée, c'est de refaire un live de Cipla à peu près tous les mois, on devrait pouvoir couvrir tout ce qui se passe à peu près. Hors de YouTube, il y a les podcasts. Alors, il y en a sans doute plein que je ne connais pas. Il y en a un qui est très connu, c'est Métal Choc d'Elisabeth Fétit, qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de contenu. Donc, et c'est pareil, moi, comme je suis plutôt maintenant un adepte de la vidéo, j'ai beaucoup de mal à écouter lorsqu'il n'y a que du son. Et c'est un tort, hein, parce que souvent, on met une vidéo et on ne fait que l'écouter. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas à jour de ce que fait Elisabeth, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes sur le New Age, les coachings de vie, le yoga, et puis les dérives sectaires. Donc, c'est très intéressant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Attendez, je regarde mes documents. Parce que si, il y avait autre chose dont je voulais vous parler. J'ai mis ça ailleurs. Il y a sur les réseaux. La revue Science et Pseudoscience. Bien sûr, c'est ça. En fait, je n'ai pas eu dans les mains avant aujourd'hui, parce que c'est Vlad qui l'a reçu. Donc je ne l'ai pas lu encore, mais en général, c'est très très bien fait. Donc c'est l'AFIS, l'Association Française pour l'Information Scientifique, qui fait ça. Ils ont un dossier sur les addictions aux jeux d'argent. Et de hasard, les addictions, c'est très intéressant, c'est très important
Et ça rejoint vraiment les thématiques de la pensée critique, parce qu'on a tendance à rendre les gens coupables de leurs addictions, parce qu'on sait, on sait pas comment faire autrement, et il faudrait qu'on arrête. Et je vous annonce déjà qu'on est en contact avec Addiction France pour faire au moins une, voire plusieurs vidéos sur les addictions. Et j'aimerais qu'on commence avec l'alcool. Et donc on a pris contact. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Corentin, qui est membre de l'ASTEC et qui est notre lien avec Addiction France, si jamais tu veux relancer Monsieur Martini, ce serait pas mal. Donc là-dessus, donc vous avez ce dossier-là, et il y a plein de choses. Si vous ne connaissez pas cette revue, écoutez, essayez de la trouver chez un libraire, comment ça s'appelle, dans un kiosque, ou demandez un numéro, commandez-le pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ils ont un site, le site de l'AFIS. Vous tapez Science et Psychologie sur Internet et vous tombez sur leur site, et vous avez d'anciens numéros, d'anciens articles qui sont mis en ligne gratuitement. C'est une revue qui n'a pas de but lucratif, c'est une association où tous les gens qui écrivent dedans sont bénévoles. Il y a un travailleur, je crois, un salarié qui gère l'ensemble, mais tous les auteurs sont bénévoles. Et donc c'est une revue historique, c'est le numéro 341, je crois. C'est ça. Donc il faut soutenir ce type d'initiative, c'est vraiment important. Dans le paysage, on n'a rien. Donc ils étaient présents en REC aussi, et c'est super. Voilà, c'est vraiment, et c'est les gens qui ont maintenant repris la collection une chandelle dans les ténèbres de Bookie Book. J'ai le mien ici, enfin un des deux que j'ai écrit ici, et c'est l'AFIS qui reprend aussi ces numéros là. J'aimerais bien que Vled un jour écrive un truc là-dessus. Oh, c'est en cours. Ça pourrait être cool. Hein. Oui. Petite parenthèse, des gens dans le chat demandent s'il sera possible de mettre sur la menace terroriste ou ailleurs la liste des vidéos et des choses qu'on présente dans la mesure où c'est écrit. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas où ce sera, si ça rentre dans la description ou pas, ou si ce sera dans des posts épinglés sous la vidéo. Ça sera peut-être plus simple que sur un blog séparé. Je verrai ce que je peux faire pour vous, mesdames et messieurs. Pour finir, en tout cas, un peu. Alors, je tiens. Et d'accord avec moi, à ce que l'ambiance de ce magazine soit positive. On est là pour vous dire à quel point il y a plein de choses bien qui se passent. Il n'y a pas que du bon. Donc une petite parenthèse pour vous partager un tweet qui a été partagé par quelqu'un qui produisait des choses, mais qui n'est pas dans la chronique parce que sa chaîne n'a rien fait depuis plusieurs mois. C'est Monsieur Chaîne Mentale qui a fait un tweet que j'ai trouvé un petit peu dommage, que je vous partage ici, qui disait qui remerciait Vlanx, parce que Vlanx fait partie de ces gens que j'ai bloqués, parce que les critiques me paraissent excessives et pas constructives et pas intéressantes. Et Hygiène Mentale l'a remercié parce qu'il est d'accord avec lui. Il regrette qu'il y ait beaucoup de clash et beaucoup de drama. J'invite les gens à regarder les 49 vidéos de la chaîne Nathan Chambier et compter les clashs et les dramas. Vous verrez que peut-être il y en a moins que ce que vous croyez, parce qu'on a beaucoup de contenu très constructif, et c'est vrai pour tout le monde en zététique. Et donc, il dit que le résultat est affligeant. J'ai honte, dit-il, d'avoir un jour partagé leur contenu. C'est un jugement très, très violent. Et en dessous, il poste une image, il dit « Voici une image de moi, impuissant, devant le naufrage lamentable de la zététique. » Et ce soir, je vais vous dire que c'est pas vrai. La zététique n'est pas du tout en naufrage. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de gens qui créent des contenus. Il y en a plus qu'avant. Et les contenus sont plus diversifiés. Et plus il y aura de gens avec leurs compétences personnelles, leur vécu, leur expertise, qui vont pouvoir se reconnaître dans ce milieu, dans ce monde de la zététique, et apporter leur pierre à l'édifice, et bien plus ça se passera bien. Et on peut le faire sans venir pourrir ceux qui étaient là avant vous. C'est ce que font tous ceux dont on a partagé les contenus tout à l'heure. Voilà, Vled, un commentaire là-dessus. Je ne sais pas si ça vaut le coup de... Qu'en penses-tu ? Non, j'ai pas tellement envie d'épiloguer là-dessus, parce que ça jalonne beaucoup trop notre quotidien depuis trop longtemps. Oui. Et j'aimerais bien qu'on essaie de se concentrer sur ce qui est productif. Moi, il y a un petit événement hors YouTube dont j'ai très très envie de parler. Oui, parle-nous de ça. Voilà, parce que j'en parle parce que ça y est, la date est tombée. Malheureusement, ça avait été programmé il y a quelques semaines, et ça a été annulé faute de suffisamment de participants. Il s'agit de STEAM, S-T-I-M, ça veut dire sciences, techniques, ingénierie et mathématiques. Et en fait, il s'agit d'un collectif de scientifiques sourds qui ont pour objectif de créer un signaire pour parler de la science. Parce qu'il y a énormément de signes qui manquent.
Il y en a plein qui sont créés en ce moment. Il y en a qu'on essaye de diffuser un petit peu dans la communauté sourds et signants. Et ce type d'événement-là, c'est hyper important. Là, c'est le 6e séminaire. Il aura lieu à Poitiers cette année. C'est les 8 et 9 novembre. Donc moi, je vais y aller. Je vais y aller pour participer un petit peu à tout ça, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et puis aussi m'imprégner de tout ça, apprendre au contact de ces personnes-là. C'est vraiment remarquable. Et ce sera la première fois que j'y vais, donc je suis très très content et très motivé. Il y a un vrai besoin dans la communauté sourde d'accessibilité à la science, d'accessibilité à la culture. Il n'y a pas suffisamment de médiateurs signants, il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont formées à tout ça. Donc c'est un de mes objectifs en ce moment, de vraiment me former pour pouvoir adapter mon métier de vulgarisateur et médiateur scientifique et culturel aussi à ces publics-là. Alors malheureusement, toutes nos vidéos actuellement, elles ne sont pas sous-titrées, ça c'est vraiment un enjeu qui est hyper important. On est en train de regarder en ce moment différents logiciels qui nous permettraient de sous-titrer les vidéos live en direct, ce qui permettrait à des publics sourds qui lisent de pouvoir suivre ce qu'on fait. Donc ça, ce serait super, vraiment, en ce moment, dans la spec et avec la tronche en bio, mais c'est de se battre pour plus d'accessibilité. Et là, je ne vais pas épiloguer pendant 1000 ans, mais si vous avez envie, un petit peu plus tard, après l'intervention de l'invité d'aujourd'hui, que je revienne un petit peu sur tout ce qui concerne l'accessibilité aux publics sourds dans la culture et dans la médiation scientifique, et ce sera avec plaisir. Et en attendant, je peux vous conseiller une petite chaîne, parce qu'il a sorti une vidéo il y a 2 jours. Est-ce que c'est proche de l'esprit critique, oui et non, parce que ça pose une question un petit peu rigolote sur un vrai présupposé qu'ont beaucoup de gens. C'est Martin Dutrait de la chaîne Virus Science, V-I-R-U-S-C-I-E-N-C-E, petit jeu de mots, qui a sorti une vidéo sur « Les requins sont-ils si dangereux pour les hommes ?» Je ne l'ai pas encore regardé parce que je viens de voir qu'elle venait de sortir, mais en général, j'adore ce qu'il fait, donc c'est sûr que ça va être super. Voilà. Merci, Vled. Alors, avant d'appeler notre invité, dans quelques instants, je me tournais vers Pascal et l'appeler. Un petit mot pour vous dire que je remercie chaleureusement les personnes qui ont rendu possible l'émission. Donc, les gens de l'ASTEC qui ont donné des conseils sur comment préparer tout ça. Evelette qui a fait une musique superbe pour notre générique. Loïc Billon qui a créé le logo, qui est là. Et Nicolas Valéron qui, lui, l'a animé. Et qui nous a fait le visuel du générique, et c'est une je suis très très content. C'est une tuerie ce générique. Il a également fait les jingles. Regardez un petit peu à quoi ressemble notre jingle, si c'est pas beau. C'est toute beauté. C'est très très beau. Quelque chose de qualité. Beau. Donc voilà. Et donc je vais remettre le jingle parce que du coup on va appeler Pascal. Donc je l'appelle tout de suite. Alors faut surtout comment ça marche ça. Je l'appelle sur Discord, normalement il va nous répondre, et une fois qu'il nous aura répondu, je pourrai le mettre à l'image, peut-être, là. Là, bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a une boucle, non ? Ça se passe bien, le son ? Il n'y a pas de problème ? Et moi, c'est très bien. Bon, vous bien. Bonsoir, Monsieur Wagner-Egger, comment ça va ? Bonsoir, Thomas et Gled, très bien, merci, et vous ? Eh bien, jusque-là, ça va. Le live se passe pas trop mal. Je suis aux commandes de tout seul, mais je m'en sors pas trop trop mal. Mettez des petits cœurs aussi pour le réalisateur qui transpire sous sa blouse. Et j'ai fait un effort. Hein. Je ne mets jamais de cravate dans la vie. J'ai décidé que pour ce format, je le ferai, parce qu'il faut aussi que je souffre. C'est en souffrant qu'on donne envie aux gens de nous supporter. Alors, mon cher Pascal, toi, tu es déjà venu pour parler un peu de l'abandon des croyances, je ne sais plus quand, c'était il y a quelques temps déjà, mais c'était pendant le confinement parce que c'était à distance. Et donc, tu es expert de la question du complotisme, j'ai rappelé tout à l'heure ton livre « Psychologie des croyances au théorie du complot », voilà, qui est un livre alors qui est plus petit que celui de tes collègues et compétiteurs, Sébastien et Sylvain, qui ont fait le complotisme, mais le leur est beaucoup plus cher. Donc, voilà. Disons, voilà, ouais, ils se complètent un peu, on veut en lire plus. Celui de Sébastien et Sylvain. Et le mien est plus. Se voulait aussi un peu plus ce grand public. Donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que vous bossez souvent ensemble. C'est-à-dire que quand je tape ton nom. Parce que toi, tu publies. Hein, on en a des invités. C'est une vraie source. C'est un monsieur qui publie des choses. Donc lorsque
on regarde ton nom, bah, tu publies beaucoup avec Sébastien, avec Sylvain, donc vous vous connaissez bien. Donc ce n'est pas des vrais concurrents, c'est des gens avec qui tu travailles. Et donc, voilà. Mais au-delà de ça, tu t'intéresses au biais. On n'a pas fait le livre à trois parce que j'ai fait ma thèse d'habilitation en fait, seul, donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'on aurait très bien pu faire le livre à trois aussi. Bon. Mais c'est pas grave. Comme ça, moi, ça m'en fait deux. J'ai plus de choses à lire, je suis bien content. Et donc, tu travailles également, tu as publié sur la thématique des biais cognitifs. Alors, je rappelle aux gens que si on est sur la tronche en biais, parce qu'en 2014, avec Vled, il m'a dit, on fait une chaîne, machin, on cherchait un titre. Et on a eu une entrée, nous, personnellement, davantage axée sur la psychologie. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit que les biais cognitifs sont intéressants, la tronche en biais, ils sont dans la... Voilà. Donc la pensée critique, on peut l'aborder de plein de manières différentes, on peut l'aborder avec différentes sciences, l'anthropologie, l'histoire, la médecine, pourquoi pas, la sociologie évidemment, et nous, notre entrée, c'est plutôt la psychologie, enfin la mienne, hein, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, c'est juste que ça c'est la nôtre, et les biais sont un outil extrêmement intéressant pour cette entrée-là en particulier, et la question, on va voir un petit peu après si on le fait bien, mais d'abord, est-ce que tu peux nous en parler, toi qui es expert du sujet, sur comment on peut définir ce que c'est qu'un biais cognitif et d'où vient le concept? Oui, alors écoute, c'est vrai que c'est bien qu'on en parle. Je me disais aussi de reparler un petit peu des études scientifiques, surtout les dernières de ces 10 ou 20 dernières années, parce que j'ai remarqué qu'elles ne sont pas très connues, y compris dans le milieu zététique, donc au REC de Toulouse dont vous parliez, qui était effectivement excellente. J'ai eu des discussions où apparemment les gens sont restés à un débat sur les biais qui a eu lieu à peu près dans les années 2000. Et donc, il y a eu, moi-même, j'ai un peu changé d'avis sur la question. Donc, je pense que c'est intéressant. Et j'ai changé d'avis avec ces recherches qui ont eu lieu depuis les années 2000 et notamment 2010 encore plus. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un petit peu un retour là-dessus. Mmh. Et effectivement, alors, la définition, c'est des déviations dans le raisonnement par rapport à une théorie normative. Donc, c'est souvent des théories mathématiques, probabilité, arithmétique ou autre, théorème de Bayes par exemple, et donc on compare les réponses des gens à ce que serait la réponse correcte dans certains raisonnements par rapport à donnés par ces théories normatives. Oui. Et on utilise aussi le terme d'heuristique, souvent les deux sont accolés, heuristique et biais. D'une façon plus positive, le biais c'est vraiment l'erreur qu'on peut commettre, et l'heuristique c'est le raisonnement rapide et simple qui est à la base de l'erreur possible. Donc en fait, l'heuristique explique qu'en fait ces raisonnements rapides seraient apparus, on va en parler, une hypothèse, c'est l'évolution. Notre cerveau a évolué pendant des centaines de milliers d'années en tant que chasseur-cueilleur, et donc il est plausible qu'une partie de nos modes de pensée ait été influencée par ça. Donc voilà d'où ça vient. Tu es en train de nous dire que la psychologie évolutionnaire est une science? Alors, en tout cas, en psychologie, on utilise... finalement, les comportements viennent de quelque part, et c'est surtout de notre passé, puisque c'est ce qui nous a le plus forgé. Alors, c'est vrai que l'être humain, par contre, il y a aussi tout l'aspect social et culturel, puisque l'être humain, parmi les animaux, c'est celui qui apprend le plus. Donc, il y a aussi cette part-là. Quand on parle de biais cognitif, je vais parler peut-être du livre qu'on va sortir avec un ami dessinateur, Gilles Bellevaux. Je vais en parler tout à l'heure, mais... quand on parle de biais cognitif, on mélange aussi des choses qui ne sont pas forcément cognitives, c'est-à-dire ça peut être aussi des biais sociaux, comme le biais de favoritisme pro-endogroupe, c'est un biais typiquement social, qui peut aussi avoir d'ailleurs une origine dans le cerveau quelque part, mais voilà, il y a aussi des phénomènes sociaux qui se passent, donc c'est à la fois bio-psychosocial, on va dire. Donc, ça vient de... parce que tout ce qui est évolutionnaire, on en a parlé avec Stéphane Debove dans une émission qui s'appelait « La morale a-t-elle des bases biologiques ?» Ne vous énervez pas avec le titre, allez voir l'émission. Et il y a comme ça un peu de chevetage autour de ces disciplines. Et donc, les biais sont explicables parce que dans le cadre de la théorie de l'évolution, ils sont économes, ça permet de mieux comprendre pourquoi on marche comme on marche aujourd'hui. Parce qu'il y a ces biais-là, en fait, c'est pas des malfaçons, c'est pas que les gens pensent mal lorsqu'on est biaisé. Mais il y a un peu cette idée, quand même. Voilà, certains biais, pas tous, de loin pas justement tous, mais il y en a clairement quelques-uns, par exemple le biais de corrélation illusoire, qui est un avantage pour la survie. Donc là, c'est très clairement, c'est possible, on n'a pas de preuves neurologiques, mais il y a des recherches aussi en neurosciences, donc peut-être qu'on trouvera pas, mais c'est en tout cas une hypothèse plausible que
Le fait d'entendre un bruit dans notre dos et de fuir immédiatement en pensant que c'est un prédateur, oui. Eh bien, c'est la corrélation illusoire, mais ça peut nous sauver la vie, donc d'avoir peur tout le temps. Oui. Et on va se tromper le plus souvent. Le faux positif est moins dangereux que le faux négatif. Exactement. Ouais. Et c'est l'exemple qu'on donne toujours, hein. Ça peut nous sauver la vie alors qu'on va se tromper le plus souvent, donc on aura tort le plus souvent, d'où l'idée de biais, mais par contre c'est une heuristique qui va nous sauver la vie, parce que si une fois sur 100 c'est un prédateur, on est parti en courant et on l'a évité. Et j'aime bien cet exemple parce qu'en fait on peut ressentir encore ce biais cognitif, hein. Des fois on dit c'est une hypothèse ou c'est pas du tout quelque chose qui est mesuré en laboratoire, mais ce biais là en particulier, si vous vous baladez en forêt quand il fait nuit, on a peur tout le temps, hein, même si on n'a pas vu beaucoup de films d'horreur, ce qui est mon cas par exemple. Moi j'ai peur très vite, des fois ça m'est arrivé dans l'obscurité, j'avais plus de lampe de poche ou mon portable était en panne, voilà, chaque bruit on interprète ça comme étant un potentiel danger, donc on peut très bien le ressentir. Et on va interpréter beaucoup de choses, et notamment c'est les chasseurs de fantômes qui, dès qu'un truc bouge, imaginent des choses, et quand on imagine très très fort, on finit par les voir. Oui, exactement. Mm-hmm. Le biais d'attentionnalité ou de corrélation illusoire, c'est très clairement quelque chose qui, à la fois, a une valeur de survie, parce que c'était pour détecter des prédateurs ou des ennemis, et en même temps, on le verra dans les études, c'est très lié à toutes les croyances religieuses, paranormales, complotistes, donc c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que ce concept a évolué ? Tu as parlé d'un débat dans les années 2000, des choses ont changé sur comment on le définit, comment on l'approche, comment on l'étudie ? Oui, alors je propose de vous montrer un petit slide. Moi, j'ai préparé pour vous montrer comment on dire ça à des études scientifiques. Hein. Alors, vous me dites si ça doit normalement marcher, voilà. Autorisé, si je partage, est-ce que vous voyez ici ? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Pour l'instant, non. Avec une petite... Alors, on a fait un test, hein. Il faudrait tester avant de faire la lèvre. On a fait le test avant, on a vérifié cet après-midi. Et ça fonctionne. Donc, il faut que tu fasses une opération différente, parce que pour l'instant, tu n'as pas partagé ton écran. Là, on me dit que je suis en train de partager mon écran. Mais il faut recliquer dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'est moi. Excuse-moi, parce qu'en fait, tu as un stream et c'est mon côté, il faut que j'appuie sur le... C'est ma faute. Alors, toi, c'est... D'accord. L'invité était innocent, c'est ma faute. Donc, du coup, on voit... Donc, c'est un livre que tu as... qui est fini ou pas encore? Alors le livre, ce sera un livre très grand public qu'on finit ces jours et qui va sortir cet automne. Je vous montrerai quelques exemples. Donc c'est quelque chose de très vulgarisé, mais il y aura aussi un peu une petite introduction-conclusion sur ce dont on va parler un petit peu ce soir. Donc d'accord. Voilà. Alors dis-nous. Alors, pour cette historique rapide, hein, puisque on va faire très vite, mais tout le monde le connaît assez bien, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000-2010, on connaît bien l'histoire. C'est Peter Wason, le psychologue anglais, qui a commencé à étudier ces tâches de Wason que vous connaissez toutes et tous très certainement. La tâche 2, 4, 6, vous devez deviner 4, quelle est la règle. Pardon. Ah non, pardon, il y a EK 4, 7 et 2, 4, 6. C'est les deux voilà, tâches. Et la tâche des cartes, hein, les quatre cartes. Moi, j'ai consacré 500 pages de ma thèse à celle-ci. Les biais cognitifs en général, en fait. Hein, donc, je connais bien cette tâche de Wason. Et elles ont été effectivement très critiquées, mais à juste titre. Hein, comme d'ailleurs les premiers travaux de Tversky et Kahneman dans les années 70, où ils ont identifié un nombre assez impressionnant d'heuristiques et de biais, disponibilité, le cadrage, l'ancrage et l'ajustement, etc. Et en fait, il y a eu des gros débats dès, je dirais, 1981. Là, j'ai mis le premier débat ici. C'est trois articles, si vous voulez, qui ont donné lieu, ils sont très intéressants parce qu'ils ont donné lieu à des réponses ouvertes. Donc, en fait, il y a des centaines de chercheuses et chercheurs qui ont répondu à l'article cible. Et donc, il y a eu des gros débats sur ces biais. Hein, donc, il y a eu des critiques. Et le plus connu, c'est Giger Henzer, le plus connu des critiques. Ah oui. Effectivement, il y a eu toutes sortes de critiques. D'abord, je montre aux gens ce que je me suis levé pour prendre le livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. En français, c'est Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Moi, je l'ai en anglais. Et j'ai Giger Henzer, donc chercheur allemand, qui a écrit Le génie de l'intuition en réaction justement à ce travail de Kahneman. Alors, le bouquin date des années 2000, hein, comme tu disais, je crois. Hein. C'est pas très très vu du tout, hein. 2007. Voilà. Donc, en gros, il y a eu ce fight entre les Kahnemaniens et les Gigerenziens, si je résume. Et donc, tu vas nous parler exactement de ça. Voilà. Ouais.
C'est ça. Et puis, effectivement, ils avaient en partie raison, c'est-à-dire que, d'abord, on a dit, mais les billets, c'est des artefacts, c'est pas des vrais billets, parce que c'est des tâches abstraites qui mesurent, on sait pas ce qu'elles mesurent. Effectivement, la tâche des cartes, il y a eu plein de livres. D'abord, on a cru que c'était du billet de confirmation, ensuite, on a dit, c'est un billet d'appariement, après, on a dit, non, c'est du test positif, on a dit, non, c'est la réponse correcte, celle qui est donnée par tout le monde, le E4. Certains ont dit, mais c'est la réponse correcte d'un point de vue probabiliste, donc personne n'était d'accord sur quelle était la réponse correcte, qui normalement est E et 7, hein, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Voilà. Donc, en fait, ces tâches et certaines de Tversky et Kahneman ont été très discutées et très critiquées, un peu à juste titre. Il y avait parfois pas de réponse correcte attribuée. Et voilà, on a dit ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, justement, les travaux suivants ont montré qu'en fait, c'était pas, cette critique n'était pas vraiment recevable. Parce qu'on s'est rendu compte que, d'abord, on peut utiliser d'autres tâches qui sont moins discutables, où là, c'est clairement, il y a une réponse correcte beaucoup plus claire. Et on s'est rendu compte aussi, surtout les travaux de Stanovich et West depuis les années 1990 et surtout 2000, ils ont montré qu'en fait, toutes ces performances à toutes les tâches de biais cognitif, hein, ceux de Tversky, ceux de Weiser, toutes ces tâches-là sont corrélées. Ce qui fait que ça donne déjà l'idée que, en fait, c'est pas des artefacts complets, parce que si c'était vraiment si c'est la tâche qui était complètement biaisée elle-même, on trouverait pas de corrélation, c'est-à-dire les réponses seraient complètement au hasard. Et là, on s'est rendu compte que quand même, il y a une espèce de rationalité générale qui fait qu'il y a des gens qui réussissent mieux tous ce genre de tâches et d'autres moins bien. Donc en fait, alors, et bon, Gigerenzer a critiqué justement que certaines tâches de Tversky et Kahneman, elles devenaient très faciles quand on les transformait, on change les pourcentages en fréquences par exemple, oui. Et ils ont raison, mais voilà, on a pu trouver d'autres tâches où on retrouvait quand même ces biais. Donc en fait, parce pour essayer peut-être de mettre un mot de vocabulaire que tu pourrais expliquer, c'est que quand on dit que ce sont des artefacts, c'est parce qu'on considère que ce n'est pas écologique. La rationalité humaine, elle est adaptée à un environnement écologique, notre niche écologique, et les tâches, les questions qu'on pose aux gens, elles sont tellement artificielles qu'on se plante, c'est parce qu'on n'est pas adapté pour ça, et que si on cadrait la question différemment, et tu l'as dit parfois, la question, on change juste comment on pose la question, et les gens trouvent toujours. Et donc, c'était justifié ou pas de dire que du coup, c'était un artefact à ce niveau-là? Alors justement, ça avait l'air justifié parce que en transformant la tâche, tout à coup, les gens réussissaient. Mais sauf qu'on a trouvé d'abord que toutes ces tâches corrélaient entre elles. Donc il y a quand même, on peut prendre d'autres, celles qui sont critiquées et critiquables, on peut ne pas les prendre. Et elles corrèlent quand même, même la tâche de Weizhong. Moi, j'étais très sceptique aussi, puisque justement, j'ai lu toutes les critiques et j'ai vu dans mes propres expériences, j'ai remarqué qu'en fait, les gens qui choisissent la réponse considérée comme fausse, ils interprètent la règle autrement, c'est-à-dire comme une biconditionnelle logique. Donc, c'est encore un autre problème, c'est que le problème peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, j'étais assez sceptique, mais en fait, j'ai vu dans les travaux de Stanovich que celles et ceux qui trouvent la réponse correcte d'un point de vue logique réussissent à trouver les réponses correctes dans d'autres tâches, y compris des tâches système 1, système 2, celles qui mesurent la pensée intuitive ou analytique, ou même des tâches arithmétiques. Donc, il y a quand même quelque chose hein, là qui nous. Si c'était vraiment des artefacts ou des tâches qui mesurent rien ou une validité écologique, on ne devrait pas retrouver cette espèce de rationalité générale. Et l'autre point très important que je vais montrer après, c'est que ces biais cognitifs sont aussi corrélés à toutes les croyances. Et ça nous donne. Ça annule quelque part beaucoup de ces critiques. Parce que ces critiques disaient, c'est des tâches de laboratoire qui n'ont aucune validité écologique, mais si les gens qui ont des croyances dans la vie réelle ont ces biais cognitifs, alors ça change tout. Parce que ce n'est plus du tout un artefact expérimental ou de laboratoire. Ça a des conséquences dans la vraie vie. Et donc, ce n'est pas un problème de pourcentage ou de validité écologique. Là, il y a vraiment un problème d'erreur de raisonnement qui a des conséquences dans la vie réelle. Et là, j'ai mis d'autres critiques, hein, c'était que les biais ne sont pas graves parce qu'ils sont rares. On a fait le parallèle avec les illusions visuelles. Et là aussi, parce qu'on dit les illusions, elles sont marrantes, mais en fait, ce n'est pas grave parce que notre vision est très bonne la plupart du temps. Et en fait, on a dit la même chose des illusions cognitives, hein, que sont les biais, des fois, on les appelle comme ça. Mais en fait, ces travaux sur les croyances remettent en question ça, parce qu'on dit les croyances conspirationnistes, paranormales ou religieuses, elles ont beaucoup d'effets
dans la réalité. Oui, au contraire, des illusions visuelles, donc les illusions cognitives seraient quand même beaucoup plus potentiellement peuvent être dangereuses. Et donc, vous voyez que ces critiques-là, hein, elles sont un petit peu tout à coup, elles perdent de leur valeur qu'elles avaient dans ces années 2000-2010, en raison des travaux qui ont suivi, en fait. Oui, parce qu'on peut pas, on peut pas dire que les croyances n'ont pas d'effet. Enfin, les gens qui suivent la chaîne savent que c'est une idée qu'il faut abandonner. Notamment, tout ce qui est médecine parallèle. C'est pas parce que la pratique de la médecine parallèle n'est pas dangereuse que la croyance dans l'efficacité de la médecine parallèle n'est pas, elle, dangereuse. Et c'est souvent ça qui est le pire, en fait. Et on a vu pendant la pandémie, moi j'ai vu j'ai discuté énormément avec les complotistes, hein, pendant des heures par jour, des fois une à deux heures par jour. Et j'ai très bien vu que, alors, le complotisme, quand il est politisé, quand il est militant, bien sûr, c'est plus une question forcément de biais cognitif seulement, c'est une question d'idéologie, de militantisme. C'est ce que défendent, hein, mes collègues Sébastien. D'identité. Dans leur livre. Oui. Mais au début, et même parmi les gens qui sont très politisés, il y a ces réserves de raisonnement. Et on les a entendus, on a entendu tout le temps et on l'entend toujours, un tel sportif est mort ou a des problèmes de santé après le vaccin. Ça, c'est le biais de corrélation illusoire. Donc, on le voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien. Donc, c'est pas des artefacts de laboratoire, c'est pas des choses qui sont écologiquement totalement hors de propos. On voit bien qu'elles ont un impact dans la vie réelle. Et il y a d'autres critiques, hein, c'est des problèmes, non pas de compétences, c'est-à-dire on peut tous y arriver, mais un problème de performance, on n'est pas motivé. Mais là, on voit aussi qu'avec système 1, système 2, hein, cette distinction qui, je présenterai beaucoup d'articles là-dessus, eh bien, on voit bien que on discute de ça justement. Hein, la distinction système 1, système 2 montre bien qu'au niveau de la compétence, on peut entraîner notre système 2, on peut l'entraîner justement à éviter ces problèmes de performance qui sont par défaut là, nos heuristiques et nos biais, elles sont là par défaut, et c'est notre compétence qu'on peut entraîner qui nous permet de les éviter. Il y a eu aussi une critique des autres formes de rationalité, c'est celle que tu évoquais, hein, avec la rationalité écologique, on a parlé de rationalité psychologique aussi. Oui, excuse-moi. Non, je disais, j'abondais, en effet, on arrive à ça. Et moi-même, j'étais assez sympathique, j'ai même rajouté l'idée de rationalité sociale, parce que les croyances, elles ont aussi un biais de confirmation dans un groupe religieux, c'est très important, c'est important socialement aussi, c'est pas important seulement pour l'individu, pour ses buts, donc c'est important pour tout. Et certains ont dit, ces erreurs, hein, ces irrationalités des biais, elles sont rationnelles, hein, dans un autre sens. Et je trouvais cette idée assez sympathique, mais depuis la pandémie de désinformation, franchement, j'ai changé d'avis là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que comparer la rationalité de type scientifique, c'est-à-dire ces normes, hein, des théories mathématiques ou probabilistes, donc de dire il y a des normes de raisonnement correct, ça c'est la rationalité qu'on appelle des fois rationalité 2, pour dire c'est par rapport au système 2. Hein, donc on dit c'est la rationalité 2, c'est la rationalité au sens scientifique, au sens vraiment basique du terme. Et on a rajouté la rationalité 1, la rationalité écologique, etc. Et on a rajouté la rationalité 3, certains, ou moins 0, pour dire la rationalité sociale. Voilà. Mais maintenant, j'éviterai de faire ça, parce qu'en fait, on compare quelque chose de très différent. La rationalité 2, c'est les efforts d'individus humains qui essayent d'apprendre de nouveaux raisonnements scientifiques et qui sont très difficiles et qui sont à apprendre et à appliquer. Alors que la rationalité écologique, finalement, c'est nos gènes, ou c'est des comportements instinctifs. Donc, comparer ces deux choses-là, pour moi, maintenant, ça me gêne. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même performance ou la même réussite. Hein, donc, et il y a d'autres qui ont critiqué ces rationalités en disant on peut avoir 101 formes de rationalité. C'est-à-dire chaque performance, on peut dire ça, c'est une forme de rationalité. Donc, moi, je serais maintenant pour réserver la rationalité au type scientifique et de dire que les croyances, elles ont d'autres fonctions, mais pas forcément à utiliser le terme de rationalité. Des fonctions psychologiques, des fonctions même de survie ou des fonctions sociales. Fonctions de survie pour les biais cognitifs, par exemple. Donc, moi, je parlerais de fonctions pour mais je réserverais le terme de rationalité au raisonnement conscient, humain, même animal, parfois. Il y a certains raisonnements aussi. Donc, voilà. Hein, donc, cette critique-là aussi, elle est plus si pertinente, je trouve, et notamment pour tous ces travaux que je vais vous présenter maintenant. Alors, il y a eu d'autres critiques, hein, alors là, de la part plutôt des milieux zététiques que j'ai découverts d'extrême gauche. J'ai vu qu'il y avait l'extrême droite et il y avait l'extrême gauche dans le milieu zététique aussi, ce qui est normal partout. Pas de raison.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. Et j'ai entendu des critiques sur les biais cognitifs qui venaient de certains groupes et qui étaient, bah, moi je voyais bien que ces gens ne connaissaient pas les travaux. Et alors, les critiques ont un fond de vérité, hein, bien sûr. Par exemple, on a critiqué les gens pensent mal et on a dit, mais les biais cognitifs, c'est de dire les gens pensent mal. Mais ça, c'est un blog qui a été écrit en 2020 avant la pandémie. Et je crois que maintenant, avec la pandémie, avec le Trumpisme, on voit quand même qu'il y a des problèmes dans le raisonnement quotidien des gens. Donc je crois que oui, les gens pensent mal, c'est pas un mal de le reconnaître, parce que tout le monde peut penser mal, y compris nous, y compris les scientifiques, parce que ces biais cognitifs existent. Donc, je pense que ça... l'idée, c'est, ben, je n'ai pas souvenir trop de ce blog-là, c'était de dire, oui, mais les biais, c'est chez les autres, les gens pensent mal, et nous, ils sommes détenteurs de la bonne méthode, alors nous, on pense bien. Mais c'est oublier que les gens qui font de la zététique, me semble-t-il, disent toujours... Oui, on connaît les biais, mais on les garde. J'ai beau savoir qu'il n'y a pas de visage dans les nuages, quand je regarde et que je vois un visage, je le vois. Je suis biaisé autant que tout le monde. Est-ce qu'on peut vraiment parler de mal-pensée pour les biais cognitifs ? C'est une pensée immédiate, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise. Et en l'histoire, souvent, ça nous aide à survivre. Quoi. Ce que Pascal explique, c'est que justement, en l'occurrence, ça peut aussi être une pensée un petit peu merdique, puisque le QAnon, etc. Bien sûr. Voilà. Mm-hmm. Je dis que systématiser le fait de dire les biais, c'est mal pensé, je pense qu'il y a aussi une mécompréhension qui amène à beaucoup de problèmes dans la manière dont on va parler des biais et dont les gens vont le comprendre. Mm. Bah, je dirais que non, parce qu'on reconnaît que, faut reconnaître que les êtres humains, avec toutes l'irrationalité, les drames qu'il y a eu, hein, l'extrémisme religieux, toutes ces choses-là, sont quand même basées sur ce qu'on est obligé d'appeler une mal-pensée. Moi, je dirais que c'est vrai qu'on critique parfois ce point de vue de dire normatif, si on veut. Mais en fait, la méthode scientifique, c'est quand même quelque chose où on dit pas que c'est la vérité, on dit que c'est mieux penser ou c'est essayer de mieux penser. Et c'est pas un point de vue arrogant, parce que en fait, tout le monde doit faire cet effort. Donc C'est voilà. Nicolas Boileau et quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. Oui, exactement. Et ça ne nous empêche pas de faire des erreurs quand même. Et voilà, c'est juste de dire, ben, on va essayer d'éviter les choses qui nous font nous tromper le plus souvent. Le biais de corrélation illusoire, on va presque tout le temps se tromper en l'utilisant. Donc si les gens pensent mal, je crois, c'est comme si on disait, ben, faut éviter de parler de quelque chose de négatif. Mais par exemple, ben, voilà, si on veut être il y en a qui détestent la métaphore médicale, mais en même temps, on peut très bien aussi mal penser. Le racisme, c'est une mauvaise forme de pensée. Pour moi, il n'y a pas de... c'est interdit par la loi, donc il y a aussi une forme de... Donc pour moi, ce n'est pas du tout un problème, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a aussi la solution, ça permet de trouver des solutions. Oui, enfin, les exemples-là sont bien choisis. C'est pour ça que... Et les biais cognitifs sont à la base du racisme aussi. Hein, donc il y a des biais... Dans mon livre, j'en décris quelques-uns. Donc, voilà, je dirais qu'il faut reconnaître qu'on ne pense pas toujours mal, on a des bonnes raisons de pourquoi on a ces pensées, ces modes de pensée rapides, mais il faut savoir que ça peut aboutir à des mauvaises conclusions, des conclusions dangereuses. J'ai dit que c'était la systématisation de ça, le fait de réduire biais cognitif à mal penser qui me pose des problèmes. Je n'ai pas du tout dit qu'un biais cognitif, c'était jamais mal pensé. Bien loin de ça. Voilà, exactement. Après, on peut se dire, bah, comme ça, on peut mieux penser tout le monde. Et voilà, c'est comme l'écologie, c'est un effort que tout le monde doit faire. Et voilà, c'est très bien. C'est aussi pas idéal de dire non, il n'y a aucun problème écologique. Hein, ça ne va pas non plus. Donc, moi, je dirais que voilà. Après, il y a l'autre critique, hein, c'est de dire, bah, alors, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, les médecins, les scientifiques. Et je dirais, ce n'est pas non plus une critique. Alors, ça peut être vrai si les scientifiques décident de tout et décident des naissances, etc. Oui. Dans une société technocratique, mais par exemple pendant la pandémie, ben, le gouvernement a pris connaissance des scientifiques, mais les task force n'ont pas eu pouvoir de décision. Donc les décisions ont été prises aussi sur des côtés psychosociaux. Il y a eu aussi l'effet du confinement. Donc voilà, hein, donc on n'a pas cette technocratie en réalité, même si les scientifiques disent on pense mal, etc., ou ça ne va pas poser de problème parce que ce n'est pas les scientifiques qui sont au pouvoir. Donc en fait, et ce qu'on appelle technocratie, c'est finalement la division du travail. Hein, donc il y a aussi une exagération de cette critique. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, si on se fait servir par le cuisinier, c'est la technocratie. On ne va pas, nous, dans les cuisines, commencer à goûter puis dire non, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire autrement. Donc, dans un avion, pareil, on ne va pas déranger les pilotes. Donc, il y a une division du travail. Hein. Ce n'est pas non plus les grands mots ici, technocratie. Voilà, non. Il y a des spécialistes et des gens
moins spécialiste. Et souvent, dans plein de domaines, on écoute les spécialistes, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de l'aviation, on écoute les spécialistes, ce qu'ils font. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire d'erreurs, ils peuvent se tromper. Mais voilà, au moins, ils ont des choses à nous apprendre. Après, vous avez aussi hein, les biaisons de droite. Et alors, ça, quelqu'un l'a mis dans le chat, ça, les biaisons de droite. Et c'est Barbara Stiegler, je crois, qui a fait une vidéo sur l'idéologie des débuts cognitifs. J'ai jeté un œil à cette conférence, ça m'a saoulé assez vite, parce que c'est cette critique-là, en fait. Et j'ai trouvé que ce n'était pas très intéressant. Mais il y a une part de vrai, de nouveau. Oui. Si vous interprétez les différences femmes-hommes de façon génétique, oui, vous faites de la psychologie individualiste et en plus de l'essentialisme. Donc oui, là, c'est effectivement des choses de droite. Mais il y a des biais cognitifs qui sont tout à fait de gauche. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec une personne de cette mouvance zététique, ETH, éthique, hein, donc d'extrême gauche, et elle acceptait le biais d'erreur fondamentale d'attribution. Parce que ça, c'est un biais typiquement des gens de droite, donc on peut critiquer les gens de droite qui attribuent les comportements aux individus. Donc de dire, par exemple, un chômeur, s'il est au chômage, c'est pour des causes internes à lui. Ouais. Donc c'est une tendance hein, que nous avons toutes et tous. Mais le fait de blâmer les victimes aussi, on attribue à des raisons internes. Oui. Exactement. Et donc ça, c'est en même temps, c'est pas un biais de droite. Et en même temps, c'est quand même... Alors l'explication, elle est psychologique, c'est vrai, elle n'est pas sociale. Mais on verra que c'est la recherche qui peut... On peut, dans la recherche, essayer de voir est-ce que c'est plutôt des facteurs sociaux ou des facteurs psychologiques. Donc, c'est pas du tout une affaire idéologique. Et puis, les deux peuvent être très, très corrélés, très poreux. Voilà, et puis, on peut... Bah nous, ce que je trouve le plus intéressant maintenant sur les croyances aux théories du complot, on a à la fois des facteurs sociopolitiques et des facteurs cognitifs, mais on a les deux. Et j'aime bien l'idéologie parce que je l'ai aperçue dans les deux sens. J'ai discuté une fois avec un politicien de La République En Marche et je lui dis que le complotisme, c'est quand je simplifie, hein, les trois familles de causes, sociopolitique, psychologique et Internet. Et lui, il a dit, oui, alors Internet, il faut réguler. Aspect psychologique, il faut faire des cours d'éducation à l'esprit critique. Mais l'aspect sociopolitique, ce n'est pas le problème. Mmh. Et j'étais un peu choqué de cette réponse, hein, parce que c'est une grande part du problème. Mais évidemment, c'est plus difficile de changer une société, de changer un système sociopolitique, que de changer d'autres choses. Et on a les autres, l'idéologie à l'extrême, l'autre extrême, à l'extrême gauche, c'est de dire tout est social. Et non, hein, justement, on peut très bien faire des recherches où on va essayer de mesurer des biais cognitifs, mesurer des variables sociales et voir avec des analyses statistiques lesquelles jouent le plus grand rôle. Et si on fait ça, je pense qu'on trouvera que les deux jouent un rôle. Mmh. Donc voilà les critiques. Et en dernière critique, et après je vais vite pour vous parler de ces dernières recherches, mais très vite, hein, ce sera rapide, quelques minutes. Donc on m'a dit aussi au REC qu'il n'y a plus de paradigme au sens scientifique, donc c'est un champ de recherche un peu fini, et pas du tout. Hein, là, alors, dernier point, ça, utilisation par les zététiciens dans les débats sur Internet, qu'il y a une mauvaise utilisation qui en serait faite. Alors, dire, c'est possible. Ça m'intéresse, parce que disons, quelles idées fausses circulent sur les biais, et est-ce que le monde de la zététique, et nous en particulier ici, mais est-ce qu'on est coupable de faire circuler des idées fausses sur ces choses-là? Est-ce qu'on les utilise mal, et qu'est-ce qu'on devrait corriger? Non, parce que moi je pense que on a vu pendant la pandémie de dire à quelqu'un qui interprète une personne s'est fait vacciner 2 heures après ou 2 jours après elle a des problèmes ou elle meurt. Si cette personne dit c'est la preuve que le vaccin c'est du poison, on a le droit et on a le devoir de dire que c'est un biais cognitif, que c'est une erreur. Donc moi je pour d'utiliser les biais comme ça et de dire que nous-mêmes on a aussi ces biais, on a aussi ces tendances là parfois, et plus on a un sujet qui nous tient à cœur comme moi des fois l'écologie, et plus on a des biais hein, fort là-dessus. Donc ça aussi, ça peut nous arriver à toutes et tous pour les causes où on est le plus militante et militant, on aura encore plus de biais de confirmation et autres. Donc en fait, non, moi ça ne me gêne absolument pas. Et je dirais, les erreurs que j'ai vues dans le milieu zététique, c'était plutôt les erreurs d'extrême gauche de dire que les biais n'existent pas et que c'est fini, voilà, ce genre de... Pour moi, c'est un discours qui m'a rappelé les anti-vax qui lisaient pas les articles scientifiques sur les vaccins, parce qu'il y a des recherches scientifiques, alors... Moi, je vous montre ici, hein, il y a ces deux livres en 2016-2017, donc c'est un champ totalement toujours actif. Et surtout, moi j'ai été passionné par ce livre, où on a même un test pour mesurer non pas le quotient intellectuel, mais le quotient rationnel. Et c'est justement des tâches de type biais cognitif qui sont, on verra quelques résultats ici, je vous ai mis quelques résultats, alors c'est des corrélations, mais juste pour dire que
Ça confirme ce que je disais avant, c'est-à-dire ici, on voit que les biais, il y a toute une série de biais ici classiques qui sont tous plus ou moins corrélés entre eux, et c'est des gros échantillons, et ça fait 20 ans qu'ils étudient ça, hein, donc plusieurs échantillons. Donc ici, on voit que tous les biais corrèlent entre eux, ce qui montrerait qu'il y aurait une espèce de rationalité générale, et que ça corrèle avec ces formes de pensée, les croyances superstitieuses ou paranormales, les attitudes anti-sciences et les croyances conspirationnistes, ça on le trouve aussi toujours. Donc vraiment, ces biais cognitifs ne sont pas quelque chose de hors sol qui sont dans les... Moi, du coup, j'ai une petite question. Tout ça, j'entends. Et en fait, je prépare aussi un livre et j'ai un chapitre sur la pensée conspirationniste et je me pose une question sur la manière dont ça se construit. C'est-à-dire que tu le montres qu'il y a bien des corrélations entre les choses, donc c'est corrélé. Est-ce que c'est possible d'imaginer que c'est le vécu des gens et le fait qu'ils deviennent un peu conspirationnistes qui modifient leur rationalité? Alors ça, on a peu d'un... Pour l'instant, les recherches sont quand même assez au début, puisque même 10 ans dans une science, c'est rien. Hein. Donc on en est aux corrélations, on ne sait pas encore exactement comment ça se forme. Nous, on fait l'hypothèse aussi avec mes collègues, justement, qu'on a cité avant. On a fait un article en disant, mais il est possible qu'au début, on a une vague méfiance, quelques biais cognitifs qui nous font penser que c'est bizarre, ces vaccins. Et après, il y a une espèce d'emprise sociale de plus en plus qui se forme et une espèce d'idéologie qui se forme peu à peu. Et c'est un mécanisme à la fois cognitif et social. Donc en fait, voilà, moi je pense que les croyances, c'est vraiment un mélange de cognitif et social. Il faut voir comment les deux... Mais ma question était, parce que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de réponse encore, parce que comme tu dis, c'est qu'au début, c'est que est-ce qu'on a des gens avec une prédisposition, avec une rationalité un petit peu trop intuitive d'emblée, ou est-ce que ça peut shifter au fur et à mesure que les gens adhèrent à des discours, commencent à devenir compétents pour repérer des corrélations? Enfin, est-ce que la rationalité peut-être transformé Très bonne question, mais il faudrait faire des études longitudinales, tu vois, ce serait très intéressant de voir justement. Moi, j'ai que des exemples qualitatifs que j'ai vus sur Facebook, mais j'ai vu un ami qui justement a commencé avec des erreurs de raisonnement de classique et qui n'était pas politisé au départ. Donc lui, c'est plutôt ces éléments cognitifs qui lui ont posé problème et aussi l'élément social. Il y a toujours un petit mélange des deux, c'était le confinement. Donc il avait beaucoup de temps, il n'était pas content parce que son travail, il gagnait moins. Donc il a commencé à compter le nombre de victimes de mort, il a dit mais il n'y a pas de surmortalité ni rien. Donc voyez, ouais, on voit bien que c'était... Moi j'ai l'impression qu'il y a un mélange des deux. Après, ça peut effectivement, les croyances vont modifier notre raisonnement dans le sens où il y aura encore plus de biais de confirmation, parce que comme je le disais, plus on est militant et plus on aura de biais de confirmation, plus on aura de biais cognitifs. Mais ça, c'est des questions ouvertes à la recherche. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des hypothèses comme on le fait là, et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des études qui nous montrent est-ce que les biais peuvent augmenter ou diminuer ou pas, et est-ce que, voilà, en fonction du degré d'emprise du social. D'accord, eh ben, très bien. Alors qu'est-ce que tu avais nous montrer après sur les travaux récents? Bon, rapidement, l'idée qu'il n'y aurait pas de théorie derrière, hein, qu'il n'y a pas de paradigme, on trouve ça chez Stanovich et West, donc un modèle théorique tout à fait intéressant et compliqué avec système 1, système 2, mais en plus complexe, hein, c'est plus complexe que ça. Et ici, les tâches, les différents biais, donc il y a tout à fait de la théorie dans ce livre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si quelqu'un me dit qu'il n'y a plus de théorie, plus d'idées dans le domaine des biais cognitifs, en tout cas, chez Stanovich, West et Toplak, j'oublie Toplak, eh bien non, c'est pas du tout le cas. Après, il y a des études, comme je le disais, en neurologie. Donc si on a vraiment des choses qui sont inscrites dans le cerveau, on le verra là, parce qu'on peut aussi regarder dans les différentes cultures, et si on ne trouve pas les mêmes corrélats neurologiques, on pourra dire que c'est pas neurologique, ça peut être culturel aussi. Donc il y a des recherches sur les mécanismes, donc c'est très actuel, 2017, c'est récent. Et il y a aussi des choses sur les études interculturelles. Une des critiques des zététiciennes et zététiciens d'extrême gauche, c'est de dire mais on n'étudie que les blancs occidentaux. Non, il y a des études pour justement voir si est-ce que ce biais-là, l'effet de faux consensus, est-ce qu'on retrouve dans les différentes cultures ou pas? C'est vrai que historiquement, dans les années 60, ça a d'abord été étudié sur le matériau, donc les étudiants de fac de psycho qui étaient plutôt socialement, c'était pas très, 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 c'était assez homogène comme population au départ. Et peut-être qu'on sous-estime les différences culturelles, ça c'est très possible, parce qu'effectivement, la majorité des recherches c'est en,
Occident. Et quand on fait des études interculturelles comme celle-ci, on prend des étudiantes et étudiants dans d'autres pays. Donc c'est aussi, c'est pas non plus des gens qui, c'est une catégorie particulière de la population. Donc, oui. C'est possible, hein, les études, mais on le fait quand même. Donc s'il y a vraiment des différences interculturelles fortes et que c'est donc pas un biais cognitif inscrit dans le cerveau, mais que c'est quelque chose qui est très culturel, on le verra aussi normalement grâce à ces études. Donc c'est en cours. Et aussi des aspects sociaux. Par exemple ici, biais de confirmation, donc récemment Nature Neuroscience, donc l'utilisation de l'opinion des autres. Donc on peut très bien concilier des aspects sociaux comme ici et des aspects neurologiques. Alors, donc ça c'est intéressant. Voilà. Et alors bah, je parlais très vite hein, des études sur le système 2. Il y a une façon de mesurer ça. Vous connaissez, c'est ces petits problèmes très simples. On a une réponse intuitive, 10, et c'est une réponse fausse. En fait, la réponse correcte, c'est 5. Ouais. Ici, vous les perdez milliers, avril, mai, juin. Donc, le nom de la troisième fille, ce n'est pas juin, comme la réponse intuitive le dirait, mais c'est Émilie, puisque c'est Émilie. Voilà. Vous connaissez, et très simplement, on mesure, on pose plusieurs de ces questions de ce type-là, et il y a des gens qui ont justement, qui trouvent plus facilement les réponses correctes, analytiques, et d'autres qui donnent plus facilement les réponses intuitives et fausses. Mmh. Et ça, c'est corrélé à plein de croyances. Donc là, j'ai mis quelques exemples, ça c'est les croyances conspirationnistes, donc c'est en anglais, mais ici, c'est tout des biais cognitifs, et on retrouve cette pensée intuitive. Donc les croyances complotistes sont très liées à des biais cognitifs, ici, voilà, toute une liste. Les croyances religieuses, paranormales, on a aussi tout un tas. Donc c'est tout à fait des recherches récentes, hein, 2021, donc c'est pas du tout un champ abandonné, et il y a beaucoup de résultats. Parfois, on dit que c'est pas un not modulated by intuitive thinking, donc des fois, il y a des résultats contraires, donc c'est une affaire scientifique, hein. Mais il y en a beaucoup qui trouvent un rôle des biais cognitifs. Donc il ne faut pas arrêter de penser ou de dire que les biais cognitifs n'existent plus ou voilà, que c'est quelque chose d'abandonné. Hein. Ça, c'est vraiment faux. Et j'ai pris encore l'exemple de beaucoup d'études de Penny Cook, qui lui, justement, a beaucoup utilisé cette mesure système 1, système 2, hein, ce mode de pensée intuitif analytique. Et il trouve des liens avec beaucoup de choses, avec les fake news. Et c'est quand même lié au dogmatisme, au fondamentalisme religieux, hein, donc voilà, c'est pas rien, hein, c'est pas du tout, là on voit bien, c'est ce genre d'études qui m'ont fait changer d'avis sur les biais cognitifs. Je pensais aussi que c'était des petits gadgets peut-être limités au laboratoire, mais là avec tout ce qu'on voit sur les croyances, franchement, ben, moi j'ai en tout cas changé d'avis. Voilà, donc c'est un concept utile et il faut le vulgariser. Voilà, et il y a aussi des facteurs sociaux, mais les uns et les autres ne sont pas forcément, c'est pas l'un ou l'autre. Hein. De toute façon, on a toujours dit, mettre en avant un facteur causal, c'est pas nier le fait qu'il y en ait d'autres, jamais. Voilà. Et en biologie, il y a des phénomènes qui sont innés, d'autres qui sont acquis, mais il n'y a rien qui est 100% l'un ou l'autre, parce que et la plupart des choses sont 100% innées et 100% acquis, d'ailleurs. Eh oui, exactement. Et ouais, tout à fait. Donc voilà, en conclusion, je dirais attention quand même, hein, j'ai un néologisme à proposer, à l'aberkanisation du débat, parce que j'ai entendu et beaucoup de gens qui parlaient des biais cognitifs sans avoir jamais travaillé ou en étant doctorante et doctorant. Donc j'ai beaucoup de respect pour les doctorantes et les doctorants puisque j'en étais un, mais en même temps, voilà, on a par exemple un doctorant qui nous a dit sur Twitter à Franck Ramu et à moi, qui avons quand même publié un certain nombre d'articles, on n'est pas non plus les meilleurs du monde, on n'est pas l'élite, mais quand même, on a publié, et il nous dit un truc genre « Ah, mais avec les tailles d'effet que vous avez, moi, je n'oserais pas publier un article avec des tailles d'effet aussi faibles en statistique. » Donc ça veut dire un effet aussi. Et là, je suis allé voir, et évidemment, cette personne a publié 0 article. Donc peut-être qu'il a eu plein de données avec des effets trop faibles, mais ce qui est plus dur, c'est qu'en fait, il n'avait pas de données, il n'a jamais essayé de publier quoi que ce soit. Donc voilà, je dirais maintenant, sur les biais cognitifs, c'est vrai qu'il faut être prudent, il y a d'autres explications. Méfiez-vous des experts twittosphériques. Oui, et voilà, et le triomphe de pas toutes les intelligences, enfin, il y en a d'autres qui marchent mieux que d'autres. Et voilà, je voulais juste profiter de parler de ce livre, hein, si tu permets, Thomas. Bien sûr. En quelques minutes, je crois qu'on a un petit peu dépassé, mais on va publier donc ce livre avec mon collègue Gilles Bellevaux, dessinateur, qui nous a proposé une maison d'édition de faire un livre, justement, une trentaine de biais cognitifs, aussi sociaux. Hein, ici, on a mis biais cognitifs, on a parlé du cerveau pour simplifier, pour un peu
pour attirer le lecteur ou la lectrice, mais il y a bien sûr l'explication qu'il y a aussi des biais sociaux, culturels, il y a d'autres choses. Et on s'est dit que ce sera utile pour les... C'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant d'éducation à l'esprit critique. Moi, j'en donne aussi, donc ce sera bien pour un grand public. On prend ces biais. Et ensuite, il y a un dessin humoristique. Voilà, par exemple, ici, quelqu'un qui connaît bien la médecine parce qu'il a vu des vidéos sur YouTube, donc il peut aider à sa propre opération. Et il y a une page avec des explications et des petites citations. Ici, Michel Audiard. C'est souvent Donald Trump ou Raoul ou Francis Lalanne qui interviennent. Et on explique, on donne des exemples un petit peu. Voilà, ici, il y a Donald Trump qui intervient. On va faire ceci et ça va sortir donc en octobre. Moi, je veux un exemplaire, comme ça, je pourrais le montrer à tout le monde. Attends, que du coup, il se passe quelque chose, pour qu'on te voit. Voilà. Mais il y a un artefact visuel autour de ton œil gauche. On croit que c'était une tache de vin. Tu ne l'avais pas tout à l'heure, maintenant ça apparaît. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'illusion visuelle sur Discord. Je vais me tourner vers Vlad pour savoir s'il y a des questions intéressantes dans le chat pour notre invité qui va nous quitter dans quelques minutes. Donc c'est maintenant, si jamais il y a des questions pertinentes, Vlad. Alors, parmi les questions, on a quelqu'un qui demande si ce serait possible d'avoir les références qui ont été partagées durant le live. Alors, j'ai envie de dire que si une bonne âme a envie de la mettre dans les commentaires, on pourra peut-être l'épingler. Voilà, si vous voyez cette vidéo et que vous mettez la liste des liens, eh ben, ce sera épinglé par mes soins pour que les gens puissent le retrouver plus facilement. Mais si Pascal a le temps, il pourra nous envoyer, on verra bien. Et puis ça a été un peu abordé, mais quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que la vulgarisation, ça amène plutôt à une remise en question ou plutôt à une surconfiance ? Un peu de science rapproche de Dieu, beaucoup en éloigne, ou l'inverse. C'est une bonne question, mais je pense que c'est individuel. C'est individuel, ça dépend le rapport qu'on a, un petit Dunning-Kruger que tout le monde connaît bien. Il y a énormément de manières de répondre à ça, et ça pourrait franchement... Tu dis que tout le monde connaît bien Dunning-Kruger, et justement, la plupart des gens qui en parlent ne le connaissent pas bien et utilisent des images qui trahissent le message de Dunning-Kruger. Donc, la plupart des gens qui parlent de Dunning-Kruger font un Dunning-Kruger sur Dunning-Kruger, et c'est très drôle. Et ça m'est arrivé d'ailleurs de le faire aussi. Oui, c'est beau. Et le fameux graphique avec la vallée de l'humidité. Voilà. Mais il y a un graphique qui ressemble, j'ai trouvé chez dans Overconfidence, donc c'est pas Dunning-Kruger, mais c'est un effet voisin, c'est la surconfiance. Et il a quand même un graphique qui a cette forme-là. Alors, il n'y a pas une vallée, une montagne, mais c'est vraiment quand même Overconfidence in Beginners, donc il y a quand même aussi un truc qui ressemble à ça, pas totalement absurde. Le mont stupide et la vallée du désespoir. C'était ça le graphique. Est-ce que tu, Vlad, à moins qu'il y ait une autre question pertinente? Il y a beaucoup de questions très précises. Quelqu'un demande, est-ce que l'intervenant connaît la sémantique générale de Korzybski et qu'en pense-t-il ? C'est très précis. Voilà. La sémantique générale de Korzybski. De Korzybski. Korzybski. Non. Je confesse ma propre inculture en la matière. Je le connais pas non plus. Mais parfois, les gens posent des questions pour dire à quel point ils savent des choses. Donc, bon, peut-être même à moins inventé. Alors, les scientifiques devraient-ils avoir plus de pouvoir politique ? On s'éloigne de la question des biais, les enfants. Ouais, je pense que le rôle de conseil est bien pour moi, parce que de toute façon, les gens font globalement confiance dans la science et dans les scientifiques, même s'il y a de temps en temps des scandales, on a vu le lancer de guerre. Donc il faut des instances de contrôle et il faut une science indépendante des intérêts financiers, ça c'est clair. Mais je crois que les gens font plutôt confiance et quand on a des organes de consultation, ça se passe en général plutôt bien, même si bon, pendant la pandémie, ça ne s'est pas si bien passé, mais de toute façon, la pandémie était une situation où rien ne pouvait bien vraiment se passer. Non. Est-ce que tu as un mot de la fin, Monsieur Pascal Wagner-Guerre ? Non, sinon celui de vous remercier de m'avoir écouté parler, de m'avoir invité pour parler de ces biais cognitifs. Ben, je te remercie d'avoir proposé l'idée, parce que c'est vrai que les biais, moi je m'étais dit, on le fait
Est-ce que ça pourrait-il y revenir? Et tu m'as convaincu que non, il fallait y revenir dessus parce que voilà, c'est un concept qu'il faut défendre finalement, parce que c'était pas aussi évident que ça. Et ben, merci de l'avoir fait. Je pense que tu étais parfaitement adapté pour le faire. C'est ta spécialité. Je rappelle donc ton bouquin qui sortira en octobre et on en parlera, et l'autre qui s'appelle La psychologie des croyances dans la théorie du complot, qui est là, qui est très bien aussi. Et ma foi, j'espère qu'on te recroisera peut-être en vrai à Toulouse si ça recommence, ou à Nancy pour la nuit Z si jamais on t'invite sur une table ronde. On a une réunion dans la semaine pour voir ce qu'on fait dans la nuit Z. Et je te dis à très bientôt et je te remercie. Très volontiers, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Alors je coupe le son, mais je vais rappeler Vled pour qu'il puisse rester avec nous malgré tout. Et je reviens vers une image comme ceci. Attendez, on va être pro. Transition. De qualité. Transition. Voilà, c'était la partie 2 sur en direct de la source. Nous avons une source avec nous ce soir. Et on essaiera d'avoir ça dans tous les magazines pour qu'on puisse faire les choses correctement. Et donc le segment numéro 3 s'appelle Résurgence. Dans ce segment numéro 3, comment je vais faire ça? Je vais plutôt prendre cette partie là, voilà. Pouf, boum là. J'ai un PowerPoint sur lequel j'ai posé quelques petites choses. Mais avant de faire ça, on a une petite blagounette. C'est une chronique qui s'appelle le créduloscope. Et donc, le créduloscope, c'est une chronique qui vous offre une prévision de votre moi en fonction des choses que vous croyez. Il y a 12 maisons, naturellement, parce que ça marche par 12, ces choses-là. Et donc, Vlad et moi, allons vous livrer lecture du déroulement de votre moi à venir. Nous pouvons... c'est une sorte de mancie, une crédulomancie, finalement. Et donc, maison 1, maison des pyramides. Les prédictions pour les crédules de pyramidologie. Alors, la pyramidologie, j'en profite pour vous faire la pub. Hein. Là, j'ai le dessin de Loïc qui est magnifique et qui fait la couverture de ce livre qu'on peut se procurer pour seulement 11 euros. Franchement, que demande le peuple. L'avenir du monde dépend de votre engagement à comprendre les secrets antédiluviens d'une ancienne civilisation. Ça, vous le savez. Ce que l'avenir vous réserve à vous, c'est ceci. Vous allez suivre des conférences, acheter des livrets, attendre un deuxième film, et le financer bien sûr. Et ne pas vous laisser influencer par des procès en escroquerie, et vous offrir un voyage organisé par un spécialiste, entre guillemets, qui a lu toute la littérature en italien, et dont les savoirs en obstétrique de l'Antiquité vont éblouir le monde entier. Ah ça, quand votre beau-frère va vous voir revenir, avec tous ses secrets, il arrêtera de vous prendre pour un guignol. Attendez, il faut que je trouve comment je fais. Je sais plus comment c'est comme ça. Et je fais ça. Attendez, Vled, tu vas... Voilà, vas-y, Vled, à toi. Vas-y, Vled. Deuxième maison, la maison QAnon. Cher crédule de QAnon, vous allez passer un mois à rêver que Donald Trump se présente aux élections présidentielles. Aux USA, mais aussi en France, pour assécher les marais de l'État profond et détruire les théories du genre et aussi tous les écosystèmes qui se mettent en travers du projet du capitalisme. Rien ne se réalisera, bien sûr, et ce sera la preuve que vous avez raison, mais que le nouvel ordre mondial cherche bien à vous faire tourner en bourrique. Il te reste un paragraphe. Page. Vous allez vous demander comment je peux savoir tout ça. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Je suis bien trop bien informé, peut-être parce que je suis moi-même en contact avec la mystérieuse source. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas en mesure de vous prouver le contraire. 3 maisons des agroglyphes, cher crédule des crop circles, vous allez vous méfier tout naturellement d'une chronique bêtement écrite avec de l'encre sur du papier, parce que vous savez que le cosmos a plutôt vocation à s'exprimer en langage céréalier. Mais tout de même, les gens de la maison complémentaire numérologie pourraient vous signaler que cette chronique regorge de rapports mathématiques, qu'elle peut être traduite en chiffres qui indiquent la distance entre le Capitole et le pôle Nord, ou entre la rue Blondelot de Nancy et l'IHU de Marseille, ou encore la date de la prochaine vidéo de Clément Fraise. Il vous dirait que tout cela est le signe d'une perfection qui ne peut pas avoir pour origine un cerveau humain. Vous devriez donc prendre cette chronique au sérieux et par exemple demander aux êtres de lumière d'aider les céréales ukrainiennes à circuler à nouveau
dans le monde. Vas-y, Vlad. 4. Maison anti-vax. La 7e vague de la pandémie mondiale n'existe pas. Vous le savez, la 2e n'existait déjà pas. Et la 1ère était une histoire pour faire peur. Prochainement, vous risquez plus que n'importe qui d'autre d'attraper le Covid-19 et d'encombrer les services hospitaliers à tel point que d'autres malades verront d'importantes opérations repoussées. Vous représentez donc un danger pour ces gens. Mais vous serez soigné quand même, a priori par un personnel soignant à jour de ces vaccinations. Si vous ne tombez pas malade, vous allez en conclure que vous avez bien raison de refuser les vaccins, car votre cas personnel est une preuve universelle. Si vous tombez malade, vous penserez peut-être à dire que c'est la faute des vaccinés remplis d'ARN de virus. Pour les antivax ascendants électro-hypersensibles, risque de migraine dans les entre-nœuds du réseau chômage. On vous conseille de rester chez vous et de vous confiner. Confinez-vous. Maison paladin de la justice clavicole, cher crédule de la pureté militante, vous allez passer le mois qui vient à décortiquer le contenu de cette séquence pour y trouver des propos problématiques, afin de signifier au monde que votre détecteur personnel d'impureté idéologique est plus performant, que votre vertu est plus grande, que la justice n'a pas de défenseur plus noble que vous. L'un des moyens les plus aisés sera de signaler que le concept de paladin de la justice clavicole n'est pas scientifique du tout, ce qui est inadmissible sur une chaîne de zététique. Qu'il s'agit d'une catégorisation infamante par ses ressemblances avec la manière dont les ennemis du camp d'en face, les méchants, ont utilisé le mot une fois en 1984 pour critiquer une personne pourtant très gentille. Le conseil du mois, il est pour vous, cher crédule de la pureté militante, c'est de vous hydrater et de manger salé. En cas d'effort attention au blocage sur les réseaux, vous savez que c'est un peu votre faiblesse physiologique. Bon courage, vous en aurez besoin, vous souffrez plus que les autres, naturellement, et c'est pour ça qu'on vous embrasse. Maison enfant indigo. C'est parce que vous êtes trop intelligent que tout va mal dans votre vie. C'est bien connu, c'est toujours un excès d'intelligence qui nous cause du tort. Si votre enfant turbulent ramène de mauvaises notes, ce n'est pas parce qu'il est nul, c'est l'inverse, c'est parce qu'il est haut potentiel. Le monde autour de vous n'est pas à la hauteur. Il vous tire vers le bas parce qu'il vous jalouse. Dans le mois qui vient, vous allez sans doute trouver le réconfort auprès des zèbres, ces êtres un peu spéciaux, un peu plus spéciaux que les autres, souvent hypersensibles, qui vont vous aider à trouver qui, dans votre entourage, peut être incriminé pour tous les ressentis négatifs qui vous encombrent. Si vous êtes dans cette maison parce que vos parents vous y ont mis, évidemment je compatis. Ils avaient besoin de vous trouver une particularité pour se sentir eux-mêmes un peu spéciaux. Vous pourriez, à l'occasion, leur révéler que c'est une attitude tragiquement banale. Mais attention, cela pourrait les rendre très tristes. Cette maison astrologie, bien sûr. Cher crédule de l'astrologie, vous aussi avez votre place dans cette chronique, évidemment, mais vous allez la mépriser, comme elle est absurde, cette chronique idiote qui veut faire entrer les humains avec toute leur complexité dans 12 petites cases arbitraires qui n'ont aucune raison objective de les définir. Vous savez bien que l'auteur de ces prédictions ne fait que jouer avec les stéréotypes, que ces phrases ne contiennent pas réellement de prédictions testables, opposables, dont la non-réalisation pourrait lui être reprochée, vous le savez. Vous êtes absolument contre la généralisation d'une telle pratique et vous allez nous écrire, à la tronche en biais, pour nous dire à quel point cette caricature de l'astrologie est éloignée de la réalité et prouve que les zététiciens s'attaquent à ce qu'ils ne comprennent pas pour compenser leur grande insécurité et leur détresse sexuelle. Et d'avance, je vous remercie pour cette compassion et pour la validation de cette prédiction. Maison des êtres souverains. Cher crédule de la souveraineté individuelle, vous allez passer les prochains jours dans la certitude que l'affirmation de votre individualité est la chose la plus précieuse que vous pouvez apporter au monde. Et c'est possible. C'est peu, mais on s'en contentera. Il faut être charitable avec son prochain, mais intraitable avec le fisc. Souverain que vous êtes, aucune loi ne peut vous contraindre. Les tribunaux sont des théâtres de marionnettes. Les gouvernements sont fantoches. Vous n'obéissez qu'à l'idée que vous vous faites du sens de la vie et du fonctionnement du cosmos. Car les obligations sociales ne sont que des contrats, et vous n'avez rien signé du tout. Ah, prends ça dans les dents, Jean-Jacques Rousseau. Page. Tournez la page, Vlad Tapas. Qu'est-ce qui tourne bien la page? Les prédictions pour vous. Je ne vois pas comment tout cela pourrait vous causer des ennuis. Vous allez forcément convaincre tout le monde, parce que c'est une position extrêmement bien argumentée sur le plan anthropologique, historique, philosophique et politique.
vous aurez toujours une place à plat à part dans le paysage. Car au milieu des pseudosciences et des spiritualités vaseuses, vous avez inventé un pseudo-droit, des pseudosciences juridiques. Et ça, tout le monde n'y aurait pas pensé. Maison ufologie. Cher crédule, des soucoupes volantes, vous avez sans doute vu quelque chose sans quoi vous n'auriez guère de raison d'y croire. Vous avez aussi le droit de croire sans avoir vu, ce qui augmente sensiblement vos chances de finir par voir quelque chose. Les crédules du premier des camps cherchent des explications à un phénomène qui leur semble surprenant. Ils sont fort à l'aise avec le scepticisme, ils sont les bienvenus. On peut donc être sceptique de méthode et tenant croyant malgré tout un plan ontologique. Malgré tout, sur un plan ontologique, si on fait bien attention à ne pas prendre ses désirs pour la réalité. Les autres des camps passeront, hélas, des moments moins agréables en présence des sceptiques, essentiellement parce qu'ils sont bel et bien, parce que s'ils ont bel et bien des questions, je ne sais pas lire. Ils ont surtout des réponses déjà prêtes en attente d'être validées. Que votre scénario soit celui d'engins secrets de l'armée ou bien de vaisseaux exotiques venus de loin, le pari prudent et sage que je fais dans cette chronique est que vous allez continuer à ne pas convaincre celles et ceux qui ne se contentent de ne pas avoir d'opinion en l'absence de bonnes raisons d'en avoir une, puisque de preuves, il n'y en a pas. Que ça fait un moment que ça dure et qu'on n'a aucun signe que ça doive changer bientôt. Bon. Le monde autour de vous est rempli d'humains. Certains sont fréquentables, et ce sont même des amis, vos amis en fait, et vous devriez chérir le temps passé avec eux à parler de choses passionnantes qui vous rapprochent. Mais évidemment, faites comme vous voulez. Hein. Maison Spencerisme. Cher crédule d'une vision égocentrée de l'évolution du vivant, ne vous sentez pas seul, vous ne l'êtes pas. Tel Charles Spencer qui voulait appliquer dans la société les « lois » de la nature, avec l'élimination des plus faibles pour conserver et pérenniser les qualités supérieures des meilleurs représentants de la race, vous n'avez en fait pas bien compris la différence entre décrire et justifier, et vous vous abusez en croyant avoir compris les forces en jeu dans l'histoire de la lignée humaine. Votre type de crédulité est associé à un embryon de connaissances dans les sciences du vivant. Vous n'êtes pas un culte, vous savez des choses. Mais vous avez oublié que vous ne savez pas tout, que le monde est complexe, que les caractères des êtres vivants ne sont pas tous le résultat d'une adaptation. Vous avez oublié la pléiotropie, la dérive génétique, les mutations neutres, les pressions cachées et notamment celles qui résultent d'une socialisation très ancienne. Vous avez oublié que vos récits personnels, s'ils vous aident à donner du sens à l'existence de la ride du lion, de l'auriculaire, du nerf laryngé récurrent ou de la coupe mulet, ne sont que des récits personnels pas plus fiables que la certitude qu'Araan de trouver un jour la tanière du soleil. Va-t-il la trouver, cette maudite tanière? Ça va aller. Documentez-vous un peu sur les vraies sciences de l'évolution et mettez vos théories à l'épreuve des experts avant de croire que vous avez fait de fabuleuses découvertes. Maison homéopathie. Cher crédule des granules et de la mémoire de l'eau, j'ai déjà amplement parlé de votre vision du monde sur la chaîne, allez voir les vidéos. Je crois qu'il serait inutile d'y revenir. Dans l'avenir, vous pourrez continuer d'acheter vos produits préférés, même ceux qui financent l'anthroposophie. Vous continuerez d'avoir le droit d'y croire et d'en parler. Personne ne réussira à vous empêcher de donner des conseils de santé du haut de votre ignorance. Seule différence, désormais, tout ça n'est plus remboursé. Avec un peu de chance, les futurs médecins et pharmaciens reçoivent actuellement des enseignements qui ne sont pas complètement anti-scientifiques. Mais il y aura quelques exceptions sans doute, on peut le regretter, c'est comme ça, mais bon mois à tous les crédules des granules. Enfin, maison climato-négationniste, chers crédules du climat, nous avons chaud et vous nous pompez l'air. L'avenir malheureusement est présent dans les modèles climatiques qui se corroborent depuis 30 ans. Le climat change plus vite qu'aucun autre moment de notre histoire. Les extrémums s'amplifient, les écosystèmes sont impactés, les agro-systèmes sont en sursis. Le modèle de civilisation actuel n'est pas durable. Tout cela, vous l'accepterez peut-être ou vous le nierez jusqu'à la mort. Je tiens à vous dire toutefois que je comprends votre détresse. Tout cela n'est pas votre faute. C'est notre faute à tous et singulièrement à tous ceux qui ont toujours placé le profit au-dessus de toutes les valeurs. Vous serez victime comme nous d'un système en bout de course où l'énergie sera très chère et où les étés seront dangereux. On ne va pas se débarrasser de vous. Vous avez des qualités. On va vous garder sur la planète. Mais c'est prévisible, si vous continuez à jouer au con, eh ben vous allez énerver tout le monde. Voilà, c'était les 12 maisons de la crédulo Mancy, mais en fait, on a menti, il y en a une troisième. La troisième maison,
tenez-vous bien, la maison méritocratie. Cher crédule de la méritocratie, je vais remettre le créduloscope comme ça, voilà. Cher, non, je sais pas, mais pourquoi ça marche pas mon truc? Pourquoi ça marche pas mon truc? Je sais pourquoi, pas. Pourquoi, voilà, tout marchait très très bien, et puis d'un seul coup, paf, il y a un complot là-dedans, parce que là, j'ai bousillé les trucs, bref, bon. Cher crédule de la méritocratie, vous vous demandez un peu ce que vous faites là dans une séquence qui brocarde les idées idiotes des autres. Si vous écoutez cette émission, sans doute aimez-vous la zététique, et c'est en partie parce qu'elle confirme vos croyances depuis longtemps. Vous avez une éducation, un capital social, vous n'êtes pas crétin du tout, vous avez même une bonne situation, et ça franchement c'est à vos efforts que vous le devez. Risque d'irritation donc au contact de tout propos qui rappelle que les gens n'ont pas toujours ce qu'ils méritent. Que les qualités personnelles comptent, mais sont souvent éclipsées par le statut social, les réseaux d'amis, les opportunités, les passe-droits, les injustices, les coups du sort, la chance et le bon vieil héritage. Vous allez vous plaindre que cela n'a rien à voir avec l'astrologie ou l'anti-science, mais une partie d'entre vous sera capable de se demander pourquoi elle pense cela. Vous allez vous demander s'il y a des données scientifiques pour remettre en question cette vision du monde. Et en faisant cela, vous mériterez notre estime et éventuellement, si vous le voulez, des bisous virtuels. C'était le créduloscope. Et il y en aura un chaque mois, n'est-ce pas? Je suis pas sûr qu'on va pouvoir infliger ça. Enfin, l'écriture est longue déjà. Et puis, en fait, ça a mis un temps fou. Il est déjà 21h32. Et donc, l'émission est censée être finie. Mais en fait, on va continuer un petit peu parce qu'on a des choses à vous montrer. Voilà. Si ça vous a plu, cette petite séquence, mettez des petits cœurs. Si ça vous a pas plu, n'en mettez pas. Comme ça, on saura si on recommence pas. Il y a quand même peu de chance. Résurgence. C'est le troisième segment de l'émission. Dans Résurgence, on va regarder des choses que j'ai mis de côté sur un PowerPoint pour vous les présenter, pour voir un peu ce qui s'est passé sur les réseaux, pas uniquement les réseaux sceptiques, mais les réseaux de manière générale, dans l'actualité. Et donc, je vais commencer tout de suite par, si j'arrive à faire fonctionner. Mon cher Mandax, veux-tu bien avoir la gentillesse de jeter un œil à ton téléphone? À mon téléphone, je regarde mon téléphone. Et qu'est-ce que je dois avoir sur mon téléphone? Une photo. Ah, non, oui. Non, pas du tout. J'ai compris. Il y a un QR code que je peux montrer à l'écran, c'est ça? Non, mais tu peux faire ça aussi. Oui, alors, du coup, je vous annonce que nous aurons le 12 novembre la nuit zététique 2, la nuit Z, où on n'a pas encore la liste des invités, on ne sait pas ce qu'on fera en détail, mais on va essayer de renouveler un peu les thématiques, de ne pas faire ce qu'on a fait l'an dernier, donc avec plein d'acteurs du monde sceptique. Pour cela, nous avons ouvert une cagnotte sur Helloasso, et vous pouvez, avec le QR code que je vous mets à la caméra, si ça marche, aller vous connecter sur Helloasso et donner un petit peu d'argent pour que ce projet puisse voir le jour. Je ne sais plus à combien on a estimé la cagnotte. L'an dernier, on a dépensé un peu plus de 3 000 euros. Cette année, peut-être qu'on aurait plus... Bon. Soyez généreux, l'argent qu'on a en plus, on le réinvestira dans le projet de l'an prochain. Parce que voilà, c'est l'ASTEC qui prend en charge tout ça. Il n'y a pas de subvention pour ce projet-là, pour l'instant en tout cas. On verra pour l'an prochain. Et on veut faire venir des gens qu'on aime bien à Nancy, et des gens qu'on ne connaît pas encore à Nancy, pour parler de ça et faire une table ronde toute la nuit. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre aide. Et je mettrai le lien, ou quelqu'un le mettra dans le chat et ou dans la description. C'est ça qu'il fallait que je voie, mon cher Vlad? Non, tu peux regarder notre conversation afin de recevoir les explications. Excuse-moi, du coup j'ai raté, mais il fallait que je le dise. Non, mais tu as eu raison. D'accord. Ah, c'est pour autre chose, ça, d'accord. Oui, et bah du coup, je vais voir ça, en effet. Alors, attends. En fait, il faut que je valide l'achat pour notre nourriture pour ce soir, parce qu'on va manger un petit peu après l'émission. Voilà, donc j'ai validé la commande, ma chère Blaine. En direct, vous avez accès à tous les détails de la gestion. Donc, juste pour vous parler des événements autour des productions, d'abord, un événement fort triste, j'ai appris le décès de Joël Swensen dans la semaine. C'était le monsieur qui était venu nous parler de psychanalyse et de science. C'était un chercheur en psychologie, un enseignant à Bordeaux. Il était venu nous voir en 2018, et l'émission était très très bien, c'était à la bibliothèque Stanislas. Il avait un accent anglais
très classe, et c'était un monsieur qui était... Enfin, je faisais des petites blagues, et il me regardait d'un air un peu docte comme ça, mais il était dans le jeu. Et voilà, vraiment très, très, très agréable. Et surtout, c'était l'un, c'est le seul que j'ai trouvé qui a eu le courage de venir. Parce que la plupart des gens qui sont anti-psychanalyse à l'université, s'ils en parlent de manière un petit peu trop véhémente, ont des problèmes. Et je sais que M. Swetson a eu des soucis. Il a porté plainte pour diffamation contre des psychanalystes qui ont voulu le pourrir après que ça passait chez nous. Et donc voilà, donc j'ai une pensée pour lui et pour ceux qui, et pour ses proches. Et allez revoir cette vidéo qui était, je pense, très très bien, où il a bien montré les conséquences de... D'abord une critique scientifique, et puis les conséquences de la psychanalyse sur la prise en charge des maladies mentales en France, qui n'est pas très très bonne. Et c'est peut-être un petit peu lié à ça. Donc voilà, une pensée pour M. Swenson, à qui on pense. Voilà. Autre pensée, mais c'est plus rigolo, pour M. Aberkan, donc un des dossiers que l'on suit. Donc évidemment, ce segment, c'est pour suivre aussi les dossiers qui sont en cours. Aujourd'hui, il y a 2 heures, je crois, ou 3 heures maintenant, est sorti un papier dans l'Express par Alix L'Hospital et Victor Garcia. Je suis cité dedans parce qu'en fait, ils m'ont appelé pour en parler. Ils ont voulu regarder un petit peu quelles étaient qu'est-ce que valent les formations que M. Aberkan vend très cher sur différentes plateformes. Parce que, les gens, j'ai vu un commentaire me dire, mais du coup, Aberkan, il dit des bêtises, machin. Il faut recommencer. Oui, j'ai reçu le truc, je vais recommencer, mais si tu veux. Mais en fait, non, il a bel et bien des choses à vendre, ce monsieur. Il vend beaucoup de choses, et notamment des formations dont on peut se demander ce qu'elles valent. Nous, on a critiqué les documents qui étaient... ça marche pas. Il ne veut pas fonctionner, je suis bien désolé, on ne va pas manger. Hein. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Erreur, ça ne marche pas. Donc les journalistes ont voulu aller plus loin que ça. Comment autrement, mon cher Vlad, je ne peux pas le faire. Et donc, ils ont acheté la formation, 200 euros, regardé les 80 vidéos, et ils en livrent un jugement, quoi, en demandant leur avis à différents experts. Moi, ils m'ont demandé mon avis parce que je critiquais le monsieur depuis le début, et j'avais bien repéré le problème. Et notamment, je ne sais plus ce que je voulais dire, et donc, M. Aberkan a fait un scandale avant que l'article sorte. Donc l'article était prévu pour plus tard, mais ils ont sorti ça en urgence, parce que sur Twitter, il a sorti un truc. Alors, est-ce que je l'ai ici? Attendez, je ne sais plus ce que je fais. C'est pas ça. Il a fait un tweet dans lequel il se plaint de la manipulation, de la censure de l'Express, parce qu'il dit qu'il avait fait une interview des journalistes, alors qu'en fait, c'est pas ça qui s'est passé, et que les journalistes étaient des méchants, et qu'il lui avait envoyé un courrier pour l'interdire de diffuser. Et dans la réalité, ce qui s'est passé, ils le disent d'ailleurs dans l'article au début, c'est que les journalistes ont voulu avoir son avis, parce que lorsqu'on fait un article à charge sur quelqu'un dans une grande revue, et on donne la parole à la personne incriminée pour qu'elle puisse se défendre. Et M. Aberkan était très paranoïaque pendant cet échange. Il a voulu tout enregistrer. Les journalistes ne s'y sont pas opposés, mais dans la mesure où ce n'est pas une interview qu'eux accordaient à Aberkan, mais c'était l'inverse, il n'était pas question que l'entrevue soit diffusée. C'était juste pour que lui soit assuré que la parole qu'ils allaient transmettre ne soit pas transformée, donc qu'il puisse avoir un enregistrement pour dire « cette phrase n'a pas été dite comme ça ». Admettons. Mais derrière, il a voulu diffuser cet entretien, les journalistes n'ont jamais accepté, donc du coup, il prétend maintenant que c'était prévu que ce soit diffusé et que les journalistes refusent. En gros, il fait du brouhaha, du charivari autour de ça. Il était d'ailleurs allé sur France Soir, le blog conspirationniste de Caniveau France Soir, pour se plaindre de ça. Donc j'ai pas vu sa vidéo, mais il fabule, et je vous rappelle qu'il a attesté sur l'honneur que lorsqu'on dit quelque chose qui est faux et qu'on atteste sur l'honneur, alors on peut être attaqué en justice. Donc j'ai attesté sur l'honneur que c'était un menteur et un escroc, et je n'ai pas eu de... pas escroc, imposteur en tout cas. Menteur et imposteur, et il n'a pas attaqué, ce qui est donc la preuve que j'ai raison quand je le fais, si on suit sa logique. Et il a d'ailleurs, par ailleurs, promis... On a 3 plaintes au cul dans 3 pays différents. Alors voilà, il a promis que nous aurions 4 plaintes dans 3 pays différents, et nous, telle la sœur Anne, je ne vois rien venir, et donc j'ai l'impression que tout cela confirme que c'est un menteur. Et je me demande si c'est pathologique. Mais là, on rentre dans un domaine où on ne peut pas porter de jugement. Mais c'est très compliqué de se dire que cette personne possède ses moyens et continue de faire ça comme ça. Et si c'est stratégique, je ne comprends pas.
Voilà, donc à Barkhane, il y a de l'actualité sur le sujet. C'est pas passionnant, mais on a commencé à travailler dessus, donc on va pas lâcher le sujet, donc on en parle. Voilà. Ensuite, j'ai vu passer ce mois-ci des choses comme ceci sur France Télévisions. Un sujet où, tranquillement, on parle de coupeur de feu dans un hôpital en disant que Myriam, 54 ans, exerce. On voit qu'elle calme un bébé qui a une brûlure. On dit voilà, qu'elle fait sa prière. Et il n'y a pas une seule parole qui prend des distances avec ça. Il y a même un médecin qui dit « en tout cas, ça ne peut pas nuire ». Je suis désolé, mais les dérives sectaires, ça peut nuire. Et on sait que la Miviludes alerte sur le fait que le nombre de signalements pour dérives sectaires liés avec des entrées qui sont des entrées de pseudo-médecine augmente. Donc, quand on fait la promotion des coupeurs de feu, dont on a zéro preuve d'efficacité, il y a plein d'effets contextuels qu'on doit expliquer, mais en tout cas, l'effet de la prière n'a pas été démontré, alors on prend le risque d'encourager les gens à aller vers des croyances médicales qui, elles, sont dangereuses. Et donc, c'est irresponsable de la part de l'hôpital et de la part de France Télévisions, qui n'a pas répondu à mon commentaire. D'ailleurs, dans son dernier rapport, la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, je cherche si j'ai l'onglet quelque part, ah, je ne l'ai pas ici, je suis désolé, je pensais avoir tout préparé, a signalé qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des signalements sur des praticiens du bien-être. Je me demande si peut-être, c'est pas en lien avec l'enquête de Mathieu Repiquet, avec qui j'ai travaillé pour faire notre vidéo sur Médoucine, et on voit que quand il y a des signalements et qu'ils enquêtent, et il y a des gens qui 189 avertissements. Donc c'est très très bien. Les fausses médecines sont maintenant un petit peu sous la loupe de la répression des fraudes. C'est malheureusement le seul organe qui peut vraiment agir, puisque ces gens ne sont pas des médecins. Alors quand ils sont médecins, l'ordre des médecins peut intervenir, mais l'ordre des médecins n'est pas une instance qui intervient beaucoup, hein, ils font pas grand-chose. Mais voilà, donc sachez qu'il est bien possible que le travail des sceptiques, qui braquent un projecteur sur notamment Médoucine, permettent que derrière, les gens de la répression des fraudes, qui ne sont pas omniscients, puissent voir le phénomène et enquêter. Et donc je pense que le travail des sceptiques, pour donner l'alerte, est utile à ce niveau-là. Voilà, j'avais zoomé sur cet article, voilà. J'avais zoomé là-dessus, donc ils ont vérifié pas mal de choses. Donc c'est très très bien, c'est bon signe, ça veut dire que la zététique n'est pas en train de faire un naufrage, c'est-à-dire qu'il y a bien des effets. J'ai vu passer également le 5 juillet dans le journal Mademoiselle un article sur la psychanalyse transgénérationnelle. C'est n'importe quoi, c'est grave, on sait que les croyances de ce type-là ont des conséquences, donc il faut éviter de faire ça, ce serait bien. Et donc, un extrait de l'entretien de Mademoiselle avec Daniel Flabenbaum, qui explique que le fait d'avoir désiré ou non son enfant dans le partage avec le partenaire est important. S'il est désiré par les deux partenaires, on peut dire que l'enfant va pouvoir s'incarner dans un utérus déjà informé. L'utérus est déjà informé. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est un peu étonnant, c'est un peu inquiétant, mais c'est comme ça que c'est expliqué. Et donc, cette dame explique que vous travaillez dans la psychanalyse transgénérationnelle. Comment notre héritage ancestral joue-t-il sur une grossesse et plus particulièrement sur le fœtus? La réponse est simple. Le stress toxique va se répéter d'utérus à utérus, de grand-mère en fille puis en petite fille. Par exemple, le fait d'avoir une grand-mère qui était fille-mère ou abusée, violentée, va s'inscrire dans notre mémoire cellulaire. J'aimerais bien avoir une source. Et le fait de passer à une nouvelle génération, de perpétuer la vie, va transmettre son histoire. C'est le croisement de la lignée maternelle et paternelle qui nous fabrique tous, et donc les antécédents de drames, d'accidents, qui n'ont pas pu se métaboliser, qui n'ont pas pu être digérés, vont créer un stress toxique. Bon, c'est du charabia, et autant vous dire, c'est de la merde. L'épigénétique existe. Les stress extrêmement forts que vivent des personnes peuvent laisser une empreinte dans leur génome qui est transmise, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec la mémoire cellulaire et ce genre de choses. Et donc c'est quand même dommage que la presse dite féminine soit si souvent le vecteur des croyances les plus anti-scientifiques de ce type-là. C'est très grave parce que du coup ça
incite les gens à rechercher des réponses, des explications dans l'histoire familiale, à inventer des traumatismes pour expliquer ce qu'ils sont en train de vivre, au lieu de chercher des vraies réponses et des vraies solutions. Donc je suis très alarmé par ce genre de choses. Je ne sais pas si la rédaction Mademoiselle a réagi ou pas aux critiques sur cet article, je n'ai pas trouvé de réaction, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. J'espère qu'il y en a eu, et auquel cas, ils auraient bien raison. Sur une note un peu plus légère, j'ai vu passer ce mois-ci une petite blagounette de ce type-là, je vais vous le traduire, c'est écrit en anglais. Donc c'est une journaliste qui dit « Maintenant, nous allons discuter du sujet avec quelqu'un dont le travail a été de faire des recherches, c'est un expert respecté dans ce domaine. » Voilà. Et puis juste après, dans le but d'être... d'être balancé, d'être bien, mince, j'ai pas le terme en français. D'être équilibré, on va aussi donner la parole à un idiot. C'est un peu ce qu'on croise parfois dans les médias avec la parole à l'un et aux autres, avec cette fausse symétrie. J'ai vu passer aussi, et ça fait beaucoup réagir sur les pages sur Facebook, cette image en commentant ceci, je disais, est-ce que les salons du bien-être et des sciences vibratoires de l'alignement cosmique donnent des informations sur les origines des jolis cailloux guérisseurs? Et donc on a une dame comme ça, qui, en trekking, une européenne qui arrive et qui dit « Hello !» On m'a dit que c'était ici que je pouvais trouver... On dit « baroudeuse chic ». Pardon ? On dit « baroudeuse chic ».« Baroudeuse chic ».« Hello ! » On m'a dit que c'était ici que je pouvais trouver de la cornaline, de la rhodonite et du lapis-lazuli. Vous savez qu'elles aidaient à la réussite professionnelle. Et là, on voit les enfants qui sont à la tâche pour récupérer tous ces jolis cailloux, un peu interloqués par la connerie de la madame « baroudeuse chic ». Évidemment, évidemment, le travail des enfants ne produit pas que des cailloux jolis chez les guérisseurs et les vibrateurs, ça produit aussi les métaux précieux qu'on a dans nos appareils, on est tous co-coupables de ça, mais il y a certains produits qu'on achète parce qu'ils ont une utilité, et d'autres qu'on achète parce que juste on a des croyances un petit peu coconnes, et comme ça on valide des pratiques commerciales, des abus dans des pays où les enfants n'ont pas autant de droits qu'ailleurs, et c'est pas bien. Alors, voilà, nous sommes co-coupables, et si cette image nous rappelle qu'on devrait faire mieux et acheter responsable, ce serait bien. Mais je suis comme vous, je fais ce que je peux, et j'achète aussi des produits qui ne sont pas toujours éthiquement au top. J'ai vu aussi passer ça, une affiche en anglais qui dit que l'alcool est la seule drogue pour laquelle on doit justifier qu'on ne la consomme pas. Et donc, je vous rappelle qu'on va revenir sur le sujet des addictions, et notamment d'alcool, et il y a en effet, il me semble, hein, c'est pas une invention de ma part ou une découverte, que socialement il est admis que on boit, et que si on boit pas on est bizarre, et donc moi à titre personnel, vous pourrez vous dire, je suis abstème, néphaliste et compagnie, je n'aime pas l'alcool, j'en bois pas parce que j'aime pas ça en fait, hein, donc puis en plus j'ai vu un peu les effets, et du coup je pense que psychologiquement ça m'a un petit peu refroidi, mais bon. Et étant zététicien sur les réseaux, j'ai un fort caractère pour râler et pour ne pas me laisser faire, donc on m'a jamais forcé à boire, et donc, mais j'ai pu constater qu'en effet, on passe pour celui qui est un peu décalé, et quand on n'a pas envie d'être regardé bizarrement, et on fait comme tout le monde et on boit, et il faudrait que ça change, il faudrait que la pratique sociale de l'alcoolémie abusée soit vue pour ce qu'elle est, à savoir, c'est pas bien, quoi, c'est toxique. Si vous avez peur des effets des ondes, rappelez-vous que l'éthanol est un produit toxique à toutes les doses. Il y a un trouble dont on parle très très peu et qui touche sans doute beaucoup plus de personnes qu'on le croit, c'est ce qui s'appelle l'alcoolisme social. C'est cette tendance qu'ont énormément de personnes à ne pouvoir pas être dans un contexte social sans consommer d'alcool. C'est pas possible. Voilà. Et c'est un vrai truc, c'est documenté, c'est étudié par les psychiatres. Et c'est pas une faiblesse de caractère, c'est pas... c'est des vraies maladies avec comme substrat le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est un organe qui peut avoir des problèmes, et le rapport à l'alcool atteint le cerveau très très vite. Donc voilà, on va reparler de ça, et ça fait partie du rôle, je pense, de la zététique, de s'intéresser sur les questions qu'on ne se pose pas. Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, le fait que l'alcool c'est le seul produit toxique qu'on doit consommer, et que lorsqu'on n'en veut pas, on doit justifier, demandez-vous pourquoi je ne m'étais pas posé la question.
Dans l'actualité, on a eu le dos rond. On s'est fait beaucoup attaquer par un dessinateur qui fait des best-sellers, qui dessine le corps humain et qui a pas mal de connaissances sur la mécanique du corps, mais qui s'illusionne sur ses connaissances sur l'évolution et qui affirme que certains ont tort de parler de dos rond. Je ne sais pas, je vous le rappelle, mais j'ai vu passer sur la chaîne Les Chroniques de la Douleur, une chaîne qui documente ce qu'il dit, donc c'est pas quelqu'un qui donne son avis, il documente la littérature, sur est-ce que le dos rond est une technique qu'on peut utiliser pour soulever des masses lourdes. La réponse a l'air d'être oui, pour des gens entraînés à le faire. C'est-à-dire que si votre dos n'est pas musclé comme il faut, le dos rond n'est pas forcément une bonne idée. Mais si vous êtes entraîné, c'est pas forcément un problème. Donc bon, le sujet n'est pas dans mon scope de compétences, c'est pas un truc qui m'intéresse d'emblée, mais ça s'est imposé tout seul. Puisque même M. Delavier insulte les esthéticiens tous les jours, maintenant depuis, bah, il s'énerve. Voilà. Il prétend d'ailleurs que je suis secrètement en désir sexuel de sa personne. Et je ne sais pas comment on devrait appeler ça, ce type de délire, mais je dément. Ensuite, j'ai vu passer des commentaires. Alors, je ne sais pas si on va peut-être les passer vite, c'est moins intéressant, mais des trucs un peu tristes, un peu. Des fois, je vous les partage sur Twitter, les trucs qu'on voit passer. Ça vole pas haut. Là, c'était sur le débat avec M. Bonassi sur la science rapproche-t-elle de Dieu. Je vous conseille bien ce débat, il m'a semblé intéressant. Je rappelle que mon livre sur la question s'appelle « Dieu, la contre-enquête ». J'ai enfin reçu mes exemplaires. Il est épais. C'est un livre très épais, donc il est bien. Hein. C'est la preuve à l'épaisseur. Et donc, ce monsieur voilà, explique que je suis un athée parce que je refuse. Et donc, il explique « N'oubliez jamais que vous êtes ce que vous... et que vous resterez une minorité. » Les athées dans le monde sont une minorité, c'est vrai. En France, les non-croyants sont 51% et ça augmente. Et que les années les plus sombres de l'humanité dans lesquelles nous sommes vous ont permis d'être plus visible. Mais vous retournerez certainement aux oubliettes, c'est une question de temps. Un châtiment éternel vous attend car vous êtes trop orgueilleux pour admettre que vous ne valez rien devant votre créateur. Vraiment, quel malaise, quelle mauvaise fin attend les gens comme vous. À vrai dire, vous aurez la pire fin de toute la création. Vraiment, personne parmi les hommes ne sera plus humilié que vous le jour des comptes. Et je voudrais écrire même toute ma sympathie pour cette personne qui a éprouvé le besoin d'écrire ce commentaire qui, elle ne se rend pas compte, peut-être, est bourrée de haine, ça déborde de haine, alors que tout ce que je dis, c'est que moi, je n'y crois pas parce que je n'ai pas trouvé de raison d'y croire. Et que les athées, en général, c'est ça. Alors, il y a des athées qui militent pour dire que Dieu n'existe pas. C'est pas qu'à des sceptiques, hein. On est sceptique parce qu'on suspend notre jugement. Je suis, voilà, sachez qu'on reçoit ce genre de choses hein, assez régulièrement. Celui-ci était quand même assez salé. Bon, et la suspicion, on n'a pas à répondre. On ne va pas répondre à cette personne qu'elle a tort. Ça ne sert à rien. Donc je vous partage avec vous. S'il y a des gens comme ça autour de vous, sachez, ou des proches, sachez que je me suis renseigné il y a peu de temps dans le Discord de Un Irréductible athée, pour demander s'il existait une version française de Recovering from Religion, qui est une association qui accompagne les gens qui ont été croyants, qui sont apostats, et qui quittent une communauté où ils se sentaient bien, et ils n'ont plus le support de cette communauté, et ils vivent très mal, surtout quand ils sont jugés par leurs proches, qui eux sont encore croyants. Ça n'existe pas encore, il existe un équivalent, c'est l'échoppe, ah j'ai oublié le nom. On en a parlé lors de la parole des convertis, à Discord sur les apostats, la taverne des apostats, je crois que ça s'appelle, mais c'est plus orienté pour les musulmans, enfin les ex-musulmans. Alors, je pense qu'ils accueillent tout le monde, mais leur discours, leur discussion, c'est autour de l'islam. Donc si vous connaissez une structure comme ça, ou si vous voulez en créer une et la faire connaître, on a vocation à ça. Il faut aider les gens à s'émanciper de ce type de choses, je pense. Vous voulez un commentaire ? J'essaie de suivre le chat avec circonspection. D'accord. Alors après, j'ai vu passer ça, que je ne m'explique pas. Un monsieur, sous la vidéo où je regarde un peu ce que dit M. Delavier, explique « Il est évident que les femmes minces sont totalement gratuites sexuellement pour toi, Thomas Durand. » Écart de revenus au sein des couples français, INSEE, point, point, point. L'idée que les femmes soient sexuellement gratuites pour quelqu'un ou pas
est un concept qui m'est étranger, je vous l'avoue. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça pue un petit peu. Voilà, et les gens qui sont en soutien de M. Delavier ont souvent des propos qui puent un petit peu, peut-être qu'il faudrait pas, qui s'interrogent sur pourquoi ça pue autant. Voilà. Sous la vidéo Masterclass en imposture sur Aberkane, qui est la première vidéo que j'ai faite sur Aberkane, où je décortique sa défense de M. Raoult, un truc que je revois assez souvent, donc j'ai partagé parce que c'est quand même c'est récurrent, à part la critique, on ne trouve rien d'intéressant sur cette chaîne. Les gens pensent qu'on ne sait qu'on a de la critique et qu'on ne construit rien. Je pense que vous pouvez constater en regardant les dernières vidéos que ce n'est pas vraiment le cas. Tu as mis en miniature la photo d'un quelqu'un d'autre. Tu es d'office disqualifié. Je vous rappelle que ma tête est régulièrement sur la miniature de gens qui nous critiquent, notamment chez Aberkane. Je crois qu'il a fait un truc où ma tête apparaît. Il n'y a pas d'horizontalité. Tu restes un YouTuber. Tu n'es personne. Travaille pour pouvoir manger à la table de ceux que tu critiques. Moi, je ne veux pas manger à leur table, je veux manger à la mienne. C'est malaisant de chercher le buzz à tout bout de champ. Bon. Voilà. Donc, si on cherchait le buzz, sachez qu'en effet, le buzz, on l'a obtenu avec les vidéos sur Aberkane, et que si on voulait le buzz, on referait que ce type de format. Le type de format où on prend un gourou et on le démonte façon puzzle, oui, c'est ce qui marche le mieux en termes de vues. Vous constatez qu'on continue à faire d'autres choses parce qu'on veut être constructif. Et on refera du débunkage, mais le buzz, c'est pas une fin en soi. Quoi. J'ai vu passer Eric Fontaine qui a posté en mitraillette sur la vidéo Mélusine. Il n'était pas content. Donc je vous laisse, je vais même pas lire. Il n'était pas content, mais il est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dire à quel point il n'était pas content. Et je m'explique pas bien le but des gens. Et donc c'est un message que je peux vous faire passer, demandez-vous, évitez de ressembler à ce monsieur-là. Quand je commente quelque chose sur Internet, je me demande toujours si c'est utile de le faire, est-ce que ça vaut le coup d'être lu par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est juste moi qui veux me défouler, et si c'est juste du défoulement, bah je rage devant mon écran et je passe à autre chose. Mais si je passe le pas de commenter sur la chaîne de quelqu'un, il faut que j'ai envie que la lecture produise un effet. Et si la lecture c'est juste que je passe pour un gland, c'est pas un effet terrible. Si la lecture c'est que je passe pour un rageux, c'est pas terrible, et croyez qu'il y a beaucoup de gens qui passent pas ce cap-là, qui ne se posent pas ces questions, et c'est ma définition personnelle du con. Voilà. Je m'en excuse, hein, mais c'est comme ça. Ah c'est ça, voilà, c'est là où j'ai vu passer sur Twitter les tweets de M. Aberkane qui annonçait un Express Gate pour dénoncer la censure qu'il subit des journalistes de l'Express parce qu'ils veulent pas qu'il diffuse un entretien qui n'était pas censé être diffusé. Bon, c'est pas hyper intéressant. Là, j'ai une question, je vais m'arrêter là après. Quelqu'un qui demande, est-il possible d'avoir les informations des personnes et ou organismes qui participent à financer vos vidéos et autres travaux et recherches, s'il vous plaît? Donc, une question qui avait l'air ouverte et polie, mais figurez-vous que je me doutais que ce n'était pas si innocent que ça, donc j'ai répondu qu'ils pouvaient se renseigner sur la STEC, puisque la STEC, notre asso, a un site et qu'ils pouvaient aller voir les informations sur le site. Et sa réponse, deux heures plus tard, je vais vous la lire, parce que c'est intéressant. Donc si je résume, ce que j'ai trouvé de mes recherches, vous êtes membre d'une association, ASTEC, qui a pour partenaire d'autres associations, Cortex et l'Observatoire Zététique, qui ont pour organisation parapluie le Conseil européen des organisations sceptiques, alors on n'est pas membre, hein, fondé en 1994. Ce même CEOS, dont on n'est pas membre, ayant pour membre associé le CSI et la Israel Skeptics Society, dont le fondateur et président de longue date, Paul Kurtz, serait en quelque sorte le fondateur du mouvement zététique aux États-Unis, il va loin, hein, avant de créer des ramifications dans le reste du monde, surtout en Europe. Vous êtes donc, et c'est beau parce que là, il part à la pêche, et là, il y a une conclusion, vous êtes donc une association à but non lucratif, ne vivant que sur les donations, mais dans la mesure où nous ignorons la nature de la provenance des dons que vous obtenez, il est difficile de savoir s'il pourrait exister quelconque conflit d'intérêt ou une politique, pardon pour ce terme, pas jojo, à respecter. Merci pour ces infos, je comprends un peu mieux qui vous êtes. Voilà, donc, alors, si
si vous voulez savoir, l'Aztec... Je suis un détective. Oui. L'Aztec est membre de la FIDES. Ah, ça, je voulais dire un mot sur la FIDES et j'avais préparé un truc, mais... Alors, au départ, je voulais utiliser le navigateur Tor, mais sur ma machine, Tor fait n'importe quoi, c'est très très lent. Dès qu'il y a un problème que ça plante, quand je reviens, je perds mes onglets, donc j'ai utilisé Edge ce soir, et je m'en excuse. Mais je voulais utiliser un navigateur libre, mais c'est pas le cas. Et donc, la FIDES, la Fédération des Initiatives... Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est, en gros, le monde sceptique, elle fédère les assos du monde sceptique. Voilà, donc l'Aztec est membre de la FIDES, mais on n'est pas membre encore du Conseil européen des organisations sceptiques, mais peut-être qu'on va l'être. Ça ne veut pas dire qu'on est un féodé, c'est-à-dire qu'on reste totalement indépendant, mais qu'on a une structure qui permet de... Hop, on a des lieux pour se parler entre nous, pour éventuellement coordonner des événements, si on veut en faire. Mais on est totalement indépendant, évidemment, et la Tranche Rampier est une chaîne, c'est moi, c'est Bled, et puis c'est un peu les copains, et on fait un peu ce qu'on veut. Bref, on ressent un peu des choses diverses et variées. J'aimerais remercier les gens qui sont à la modération ce soir. Il y a, je crois, Francine, il y a évidemment Elodie, il y a Alexandre, bien sûr, il y a peut-être Lucas, et j'ai oublié Vled, qui ai-je oublié dans les gens qui sont ce soir dans la modération? J'ai eu une légère coupure de son. Bon. Donc, ce soir, il y a... Et Moxiva, bien sûr. À chaque fois, j'oublie Moxiva. Elle est à la mode ce soir. Il y a Elodie, il y a Arève, il y a, je crois, notre président bien-aimé. Luca, donc. Et, bah, merci pour eux d'avoir été avec nous. J'espère que dans le chat, ça s'est bien passé. On touche au but. On l'a dépassé, hein, l'heure R1. Je pensais qu'on ferait qu'une heure et demie, mais techniquement, je crois qu'on a été à peu près à la hauteur. Et j'en suis bien content. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez faire évoluer le format avec d'autres types de propos, de contenu, de regard sur le monde de sceptique, faites-le, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant. On va revenir le 13 septembre en direct et en public. On sera dans l'amphithéâtre de la faculté de lettres. Ce sera gratuit, ce sera ouvert à tout le monde. Venez, a priori il y aura de la place, c'est un grand amphi. Nous recevrons Thomas Eames, qui est un biologiste qui a écrit ce livre, pour parler du code génétique, la génomique, le génome humain. Bah, on utilise souvent la métaphore du code pour expliquer qu'un gène produit tel résultat. Et c'est une métaphore qui a ses limites et qui induit des mauvaises représentations et des abus dans la manière dont les gens vont utiliser cette métaphore pour défendre leurs idées qui ne sont pas à raccord avec la science. On va parler de ça avec lui. Il y aura sans doute ça coule de source fin septembre pour parler de tout ce qui s'est passé courant août et septembre. On verra bien si on peut le faire. Je continuerai à m'habiller avec une blouse blanche et une cravate. Voilà, c'est ou pas. Mais ça m'a fait plaisir. Et moi, je serai toujours habillé n'importe comment. Mais tout te va. C'est ça qui est terrible. C'est vrai. Cette élégance. Et donc, je remercie encore une fois Nicolas qui a fait le générique. Je crois. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, mon cher Vled? Non, je crois que tout était très clair. Alors, on a bien précisé que c'est Loki qui a designé le logo. Oui. Voilà. On a tout dit. Je pense qu'on n'a oublié personne. Le message principal, c'est que le monde sceptique est très vivant. Il y a des anciens, des dinosaures, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas les anciens. Et ben, du coup, on ne vous en parlera pas. Et il y a des nouveaux qui apportent des choses, qui proposent des choses. Et on a vocation à les écouter, même s'ils nous contredisent. Parce que, surtout s'ils nous contredisent, parce que c'est hyper important. Notamment, ils seront invités par la musique. Oui, Vlad ? Juste reparler du LOASO. Me souffle. Bien sûr, vous pouvez nous soutenir. La Tranche Rampier vit grâce à vos dons via LOASO, via Tipeee, via Utip, via Patreon. Voilà, c'est géré dans... Tous ces dons-là sont gérés dans l'asso, ça paye mon salaire, ça va payer le salaire de Vled bientôt pour qu'il puisse produire des contenus. Vled va être plus... Alors là, Vled sera plus présent sur la chaîne à la rentrée. Dis coucou à la caméra, Vled, pour dire que tu es plus présent, voilà. Et j'espère oui, que... Voilà. Je peux enfin revenir maintenant que j'en ai terminé avec mes examens. Voilà, et c'est une bonne nouvelle, parce que Vled parle mieux que moi. Et
Et donc, on va essayer de faire des contenus intéressants. Il y aura... non, je ne vais pas vous spoiler parce que je ne sais pas quand on le fera, mais sachez que... bonjour à Stéphane, qui m'a envoyé plein de documents sur un personnage du web sur lequel il a travaillé. Oui, on va s'en occuper, mais là, on n'a pas le temps du tout. Et en fait, je prends des vacances en août, figurez-vous. Et surtout, j'ai un livre à finir et je suis en retard. Donc, on vous dit bonsoir. Et on se reverra le 13 septembre. On reste disponible sur les réseaux si vous voulez nous alerter sur des choses que vous voyez, comme cette émission sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Simès et Ariana Carambeu, qui est une honte absolue. J'ai honte pour Michel Simès. J'ai tellement honte, lui qui était vent debout contre les antivax et qui maintenant fait des trucs avec le magnétisme. C'est lamentable, c'est triste. Mais je veux être positif. Le monde sceptique est donc extrêmement vigoureux, il y a plein de choses qui sont faites tout le temps, il y a plein de contenus, abonnez-vous chez les copains, allez les regarder, partagez les contenus, vous-même proposez éventuellement des gens à inviter chez nous, n'hésitez pas. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin, on a besoin d'être en réseau, et on compte sur vous parce que il faut qu'on lutte contre le bullshit. C'était mon mot de la fin. Vled, à toi ton mot de la fin. Je viens d'avoir un signe de la fin, ça voulait dire bullshit, comme ça maintenant vous savez. Très bien. Refais-le. Très élégant. C'est un taureau qui fait caca, c'est du bullshit. Nous finirons sur cette image. Mesdames et messieurs, attention à votre cerveau, il est précieux et nous l'aimons. On vous embrasse. Bye bye.